Hey everyone! So welcome, we are currently streaming and being live in France, so I'm pretty excited to be with you guys. How are you doing? And like, please enjoy the show. Donc merci à toutes et à tous d'être ici, que ce soit sur internet ou à Fougères. Ce sera donc streamé en français dans la salle, donc au cinéma, et sur internet en anglais et en français pour ceux et celles qui n'ont pas pu venir ici, et en russe également. Et donc du coup on remercie tout le monde. Et amusez-vous bien, et puis on se retrouve une fois que Devil Tifa, Brother Main, Super Lingod et Melwest auront détruit les 5 premiers jeux. Donc amusez-vous bien. Good luck everyone and have fun! Bonjour tout le monde! Je suis super content d'être là. Je m'étais réservé la surprise pour ce clip incroyable. Et on peut d'ores et déjà applaudir toute l'équipe technique. Kouchas, cette ultime finale, du coup, ça va bientôt commencer, ça commence. Ouais, je suis encore ému de ce clip absolument formidable, et puis c'est une émotion particulière pour moi. J'étais là il y a 2 ans en tant que joueur, je suis là 2 ans plus tard en tant que commentateur avec toi pour suivre cette finale qui va être absolument incroyable, et j'ai juste hâte que ça commence là.
En tout cas, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas si vous n'avez pas suivi, c'est 6 mois de qualification via des championnats. Les 4 joueurs qui se sont qualifiés à cette édition, Mel West, ouais, Super Lingod, ouais, Brother Main, ouais, et David Tifa, ouais. Sans plus attendre, on va prendre quelques mots des 4 personnes qui se sont qualifiées, voir un petit peu les découvrir, les redécouvrir, car j'ai l'impression que c'est un peu des vétérans. Je vois pas de nouvelles têtes cette saison. J'ai l'impression que ce sont des gens qui ont déjà fait plein d'ultimes finales. Ah bah Mel West c'est sa 3ème, Super Lingod c'est sa 2ème consécutive, Brother Main c'est sa 3ème et Devil Tifa c'est sa 4ème. 5ème même, non? 2, 3, 4, 5, 5ème. Oh là 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 là, mon dieu. En tout cas, on va prendre du coup, comme c'était prévu, Tifa et Bro pour une petite interview à la fois, évidemment, en français à la fois en anglais. Du coup, on les aura tous au micro de toute manière pour vous les représenter. Du coup, Bro qui va aller faire son interview au stream anglais assez probablement. Et on va avoir Tifa. Tifa qui va remplacer Yoshi. Ton micro est là. Alors Tifa, comment ça va? Coucou. Ouais. Eh bien, ça va très bien, et vous? Très très bien. Ça va, ça va. Alors, je sais pas pour vous, mais le fait d'avoir fait les chômages avant, ce qui fait qu'on arrive, c'est peut-être pas ton cas, parce que toi, tu participes, mais hyper détendu, hyper exalté, c'est-à-dire qu'on commence tout pépère, on sait que ça va envoyer, ça y aura du gros bois, tout ça, mais en tout cas, on est super content de te voir. Et alors, quelques mots déjà, qui es-tu, d'où viens-tu, pour les gens qui te connaîtraient pas? Bah, moi c'est David Tifa, je viens de l'ultime décathlon parce que avant je faisais pas de speedrun, j'ai juste essayé de faire un jeu vite mais je l'ai pas fait longtemps. Et après à l'annonce de la saison 2, après avoir regardé la finale de saison 1, je me suis dit pourquoi pas. Et donc, t'es là 3 ans plus tard presque. Voilà, 3 ans plus tard après 5 saisons. C'est à chaque fois, chaque saison, on se dit ouais, Tifa, t'es toujours là, là, tu t'es qualifié dans la grande finale, t'as fait 4ème. Donc t'as gagné l'ultime finale 2, l'ultime finale 3, t'as participé à l'ultime finale 4, 5 et du coup 6. Et t'es toujours bien ancré au championnat, t'as repris ta 2ème place. Oui, bah, c'était la tradition, il fallait que je la récupère. Voilà, alors là il reste plus d'opportunités, du moins pas grand chose pour te faire shipper cette place par Brother Main qui est actuel 3ème du championnat. Mais des PB Race pourraient arriver, puisque vous êtes très très serrés. Quelques mots, quels sont les jeux que tu crains et les jeux que tu attends avec impatience? Alors celui que je crains le plus évidemment c'est Spectra Ball. Ça c'est demain ça. C'est demain donc ça va. Ah mais aujourd'hui uniquement? Non, en général. Sinon, Inertia, c'est un jeu que j'aime bien mais vu que le jeu est court, toutes les erreurs sont punitives. Et Shovel Knight aussi parce que j'ai tendance à mourir partout. Shovel Knight qui sera la dernière épreuve de la journée en tout cas. Comment t'abordes cette ultime finale, c'est ta 5ème par rapport à l'entraînement? On a vu que t'étais entre guillemets un petit peu rouillé à la grande finale, mais c'est toi-même qui le disais. Mais tu t'es démené pour justement reprendre un petit peu les bases et t'as fait plein de PB récemment. Donc comment tu attaques cette finale, serein, détendu? Toujours détendu. Moi mon objectif c'était vraiment me qualifier à la finale, toujours. Et là essayer de faire la meilleure place possible que je peux faire. Eh ben c'est bien. En tout cas, il y a ce trophée qui est là, qui sera donné évidemment au gagnant cette ultime finale. On remercie Pibir pour le trophée. En tout cas, on te souhaite bonne chance, Tifa. Merci. Et du coup, on va du coup t'inviter à aller au stream anglais du coup pour faire coucou aux Américains, aux Anglais, aux Canadiens. T'inquiète, tu pourras parler français. Hein. Twin pourra traduire. T'es rassuré, je sais. Je sais que t'es rassuré. Eh ben en tout cas, on applaudit Devil Tifa. Ouais, c'est dans quelques instants on aura Brother Main hein, et c'est vrai Bro qu'on envoie toutes les saisons paires 2, 4, 6. C'est ça ouais. Mais alors à noter c'est quand même la première fois qu'il participe à une ultime finale où il n'est pas repêché. Et oui c'est ce qu'il avait dit à la grande finale Bro, c'était la saison 2 effectivement il était arrivé 5ème et de mémoire la saison 4 il était arrivé 5ème aussi. Et du oui. coup c'était 5ème à la GGC. Et c'est pour ouais. ça qu'on est méga content d'avoir Bro à Fougères. Il habite Fougères, donc du coup, il défend les couleurs locales. Comment ça va, Bro?
Ça va. Je joue à domicile, donc ça va. C'est ça. Voilà. Une avenue à traverser pour venir là. Certains ont fait 8 heures de route. Toi, tu as fait 8 pas. Voilà. Là, c'est l'avantage du terrain. Alors, justement, on en discutait. Tu disais, les autres ultimes finales, ça faisait davantage vacances parce qu'il y avait justement ces 8 heures de route. Oui. Qu'est-ce que ça change, que ce soit en termes d'appréhension globale en fait, de l'événement, le fait de dormir chez soi, de faire 100 mètres et d'arriver au cinéma? Est-ce que... Ça repose déjà. C'est vachement reposant, même si ça joue pas vraiment sur les nerfs. C'est toujours aussi toujours autant le track ni rien. Et du coup, quelques mots, parce que c'est comme on a fait avec Tifa, si tu peux te présenter rapidement en fait, pour les personnes qui te découvriraient, il y a des gens qui ne connaissent pas bien le speedrun à Fougères ici, ou même peut-être sur internet en tout cas, en quelques mots, ton profil de speedrunner est dans l'UD, voilà, en quelques mots. Et bah, moi je speedrun depuis presque 8 ans maintenant, donc je suis un peu presque un vieux de la vieille en fait. Donc, et du coup j'ai rejoint l'UD dès la deuxième saison, et depuis je fais un peu à peu près que ça maintenant en speedrun, et sur internet c'est un peu mon truc. Et voilà. Bah, ça marche bien en tout cas. Ça va. Je me rappelle qu'à la saison 4 il y avait eu la retraite temporaire. Une saison de repos, la cinquième. C'est toujours une saison sur deux. Je fais toujours les saisons paires, la 2, la 4, la 6. Ça n'a aucune... Les saisons faciles, ouais. Alors, merci. Les saisons faciles, c'est vrai que la 6... Est-ce que la 6 était une saison facile? Ouais, ça a l'air plutôt de dire non, hein. Je trouve que c'est une des saisons les plus dures, mais c'est peut-être parce que je suis finaliste et que j'ai envie de me la péter, je sais pas. Eh ben, en tout cas, en parlant de jeux, quels sont selon toi les jeux que tu appréhendes, les jeux dont tu as peur, les jeux qui sont tes points forts sur ces deux journées qui arrivent? Gros point fort pour moi, c'est les deux derniers. Ah non, sur le jour qui arrive, tu voulais dire peut-être? Non, partout. Ah non, partout. Bah, les deux derniers jeux, du coup, Spectra Ball et Aria of Sorrow, qui sont les deux jeux du cœur pour cette saison. Et peut-être Story About My Uncle aussi, aujourd'hui, que j'ai finalement beaucoup apprécié, même si au début, c'était pas trop ça. Et voilà, c'est vraiment les trois jeux pour moi qui vont... c'est là que je vais choper tous mes points par rapport à mes adversaires. Toi, un grand... Pardon. Donc tu t'attends à avoir un début peut-être un peu compliqué avant de à la fin. Oui. Okay. Oui, Shovel Knight aujourd'hui c'est un peu bon, on va rien dire. Cependant, à la grande finale de cette saison, t'as terminé. T'étais pas premier, ou à quelques points du premier, je sais plus, à la fin de la première journée. À la fin de la première journée, j'étais 2 points derrière Melwest. J'étais devant les 4 premiers jeux et je me suis effondré sur Shovel Knight. Et du coup, il m'a redépassé à la fin. T'avais fait 2 ou 3 PB, c'était une journée de folie. J'avais PB sur Metal Slug et je crois que c'est tout. C'est journée. J'avais noté ça, mais en tout cas c'était une sacrée journée. Et Trials aussi. Et c'est plutôt ton début de deuxième journée qui avait été dur paradoxalement, avec un Inertia en dessous de ce que tu pouvais faire. Ouais, je pensais que le deuxième jour serait un peu ma force, mais non, effectivement, Donkey Kong Country et Inertia m'ont un peu plombé. C'était pas la meilleure journée. Et est-ce que t'as pu retravailler un peu Shovel Knight? Est-ce que les spectateurs là peuvent s'attendre à ce que Shovel Knight soit peut-être un peu au-dessus de ce que t'avais montré en grande finale pour maintenir éventuellement une constance dans les points J'espère que ce sera mieux, parce que jusque là c'était quand même pas très brillant. Ah, mais c'est un jeu difficile, je pense que tout le monde a trouvé difficile ce jeu. C'est vrai que c'était un jeu sympa mais long et difficile. En tout cas, eh ben bro, on te souhaite bonne chance en tout cas. Merci beaucoup. Selon ce que tu souhaites, en tout cas, faire le mieux, peut-être même ramener le trophée. J'espère, ça serait bien. Eh ben bonne chance, on applaudit en tout cas Brother Main. Ouais. Dans quelques instants, on va avoir Super Lingod et Melwest qui vont se préparer du coup. Le premier, on pourra l'avoir tranquillement. Il pourra venir du coup au stream, se préparer à aller au stream anglais, en laissant le temps. En leur laissant le temps de terminer leur interview. Vous pouvez monter. Le premier qui arrive, bah, tu peux aller, tu peux attendre au stream anglais. Tu fais ton choix. Est-ce que tu parles anglais ou français en premier? Tu parles plus, non, t'inquiète. Oui, pas. On doute. Même crainte que Tifa, mais t'inquiète, il y aura des traducteurs. Et du coup, on aura Super Lingod qui aujourd'hui a mis une tenue avec laquelle il ne peut pas perdre normalement. Comment ça va? Bonjour à tous, ça va super bien, je suis stressé comme d'habitude. C'est marrant parce que tu dis que t'es stressé, mais en même temps je te trouve méga détendu des fois. Mais ça, c'est la bise qui fait ça. Est-ce que le fait de porter cet habit, ça déstresse, ou c'est pire? Ah non, c'est pire. Mais c'est la difficulté augmentée de l'ultime finale. On met un avis. Non, parce que hier, quand je t'ai croisé au bar très très tard, au Coquelicot, quand on faisait du coup notre un petit peu les show match d'avant ultime finale,
t'étais pas encore passé au cinéma, tu disais ouais demain j'aurai le temps de me setup, t'avais l'air maxi détendu. Oui mais depuis que je me suis setup, eh ben ça va moins bien. Ouais, c'est la scène, pourtant c'est la deuxième fois, est-ce que t'appréhendes la chose de manière un peu différente? Non, pas vraiment, je suis toujours autant stressé et puis j'ai peur sur certains jeux, notamment sur les jeux avec la souris comme d'habitude. Ah ouais. Et ton expérience de l'UF5, tu penses que ça va absolument rien t'apporter quoi? Si, ça va mieux aller parce que du coup j'ai déjà une expérience justement, donc ça ira mieux après le premier jeu je pense. Déjà. Mieux mais toujours pas terrible. Voilà. Et justement quelques mots, ce qu'on a oublié de te présenter rapidement, ta biographie spinneristique et au sein de l'UD en fait, en quelques mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Bah, j'ai commencé à l'UD 4, j'ai fait juste le Panta, donc ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait inspiré, en ayant vu l'UD 2 et l'UD 3. Donc j'ai fait le Panta, après le Panta B m'a pas inspiré et j'avais pas vraiment le temps. Ensuite j'ai fait l'Inter-UD qui était vraiment sympa entre l'UD 4 et l'UD 5. Et ensuite bah, j'ai réussi à me qualifier justement à l'ultime finale de l'UD 5 et aujourd'hui même bah, j'adore le speedrun et puis je continue ça. Ah bah c'est cool, en tout cas si l'UD, la communauté a inspiré tout un tas de personnes à continuer à runner, c'est très très cool. J'espère que plein de gens de la communauté en fait font plein de runs avec plaisir, en tout cas c'est vraiment ça qu'on souhaite comme dynamique. Mais du coup, est-ce que tu speedrunnais avant l'UD4? Alors, non, pas du tout. Pas du tout. Donc quand même, je pense qu'entre Tifa qui a jamais speedrunné avant de faire l'UD2, et on voit aujourd'hui où il est, et Super Lingot qui a jamais speedrunné avant de faire l'UD4, je pense que ça peut quand même donner des idées à des gens qui voudraient se lancer, parce que même, voilà, on n'a jamais fait de speedrun, on arrive dans l'UD et on se retrouve à cette place. Ça c'est... Il faut acheter un costume. En tout cas, même si je pondérerais le propos en disant que depuis quelques saisons, on a maintenant des vétérans qui certes étaient des néophytes il y a quelques mois, quelques années, mais là, cette ultime finale, quand même que des gens qui ont déjà fait plusieurs ultimes finales, ce qui veut dire que quand on s'inscrit, je serais nouveau, je me dirais « Oh là là, se qualifier va être vachement difficile !» Alors t'as dit les jeux, la souris, que tu les craignais, quels sont tes points forts selon toi? Bah la grande finale, je disais que mes points forts c'était Spectra Ball et Donkey Kong, mais c'est là où j'ai galéré. Aujourd'hui, c'est mes craintes, enfin, surtout Spectra Ball parce que j'ai essayé et ça va vraiment pas du tout, donc j'espère que ça va passer. Tout le monde le craint j'ai l'impression, tout le monde l'aime et le craint. Sauf Bro, a priori Bro ça va être la personne qui... Voilà. Mais un point fatal. Sinon, je dirais, j'ai pas vraiment de point fort. Peut-être un PB sur Trials parce que j'ai découvert quelque chose que j'utilisais. Oh là là, oh là là, dis-nous, spoil. Ah non, c'est un secret. Je sais pas s'il le dit. Non, si. En fait, j'ai découvert qu'on pouvait utiliser Joy-Coy pour binder la souris, enfin à la place d'une touche de la manette. Et du coup, ben, ça va beaucoup plus vite et je m'embête pas à appuyer sur échappe et ensuite sur la souris. Ce que la plupart des gens faisaient. Oui, oui, mais moi je le faisais pas donc. Et ben voilà, bah tant mieux. Très très cool. En tout cas, on peut applaudir Super Lingod, on lui souhaite bonne chance. Et du coup, tu vas pouvoir aller. Parler en anglais. On va dans quelques instants avoir Melwest qui du coup est actuel premier du championnat. Super Lingod est quatrième. Bro, que vous avez vu tout à l'heure, est troisième au championnat et Tifa deuxième. À la grande finale de cette saison, Melwest a été premier, Tifa quatrième. Et je vais regarder mes notes, que je sais plus qui a été deuxième en fait entre Bro. C'était Super Lingod. C'était lui, ouais. C'était Super Lingod qui avait été deuxième. Donc comme quoi, il a beau être quatrième du championnat, c'est quand même un joueur qui a rejoint la saison très tard et qui du coup s'est peut-être préparé plutôt aux conditions race. Alors Melwest en tout cas, Melwest du coup, comment appréhendes-tu cette nouvelle ultime finale, détendue? Très content d'être là avant tout, et oui, pas spécialement détendu, hein, stressé comme d'habitude, mais je suis très content d'être là et j'espère que ça va très bien se passer pour tout le monde. Eh bah tout à fait, juste est-ce que tu peux nous rappeler vite fait ton parcours pour les personnes dans la salle ou sur internet qui ne te connaîtraient pas? Alors niveau speedrun, comme Tifa a pu le dire par exemple, je suis arrivé à l'UD. Donc je ne speedrunnais pas avant, j'ai découvert les jeux avec la communauté de l'UD. Et j'ai fait la saison 3, 4, 5 et 6. Et j'ai gagné les deux dernières, je crois. Voilà. Et je suis plutôt quelqu'un qui aime le grind et les points de l'UD. Voilà. Ça on sait.
T'as un profil très que tout le monde qualifierait de championnat et pourtant tu gagnes toutes les UF. Non, c'est faux. Pas toutes. La preuve, je ne suis pas qualifié à la saison 3. Donc. Oui, effectivement. Non, mais toutes les UF que t'as faites en tout cas. D'accord, oui, effectivement, mais c'est pas chose acquise. En tout cas, quels sont selon toi tes points forts et tes points faibles sur ces deux journées qui arrivent ? Je vais comme dire comme d'habitude, hein, mais j'ai pas de points forts. Mais j'ai des jeux que j'apprécie par leur mécanique, genre Shovel Knight et Zombies Knight, mais ça veut pas pour autant dire que je suis très confiant dessus. Je pense que ça demande beaucoup de travail et c'est difficile. Par contre, il y a des jeux que j'aime moins, comme Spectra Ball. 3 sur 4, donc Spectra Ball, demain on rappelle, avant-dernière épreuve. Bon, Remain favori du coup. Ouais, non mais c'est des jeux qui sont très courts, beaucoup de points sont en jeu et j'ai beaucoup de mal à être très constant dessus. Inertia, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais il me fait peur aussi parce que les points défilent à tout à l'heure, donc à vive allure. Ça va être tendu. Bah, c'est ce que disait Tifa en fait, c'est les épreuves très très courtes en fait, où du coup on est à un point par exemple toutes les 3 secondes. Si on n'a pas de chance, si on glisse, s'il se passe n'importe quoi, si le setup par exemple, je sais pas, il se passe un truc, on n'est pas concentré, les points défilent et on a vu des catastrophes, c'est vrai, dans certains tournois. Bon, il y a eu Bro pendant la grande finale, il y en a eu d'autres. Il y a eu Tifa à l'UDGate. Tifa à l'UF4 qui avait eu des problèmes sur Dark Souls. Oui, mais ça c'est un long jeu, à la limite ça rentre pas tout à fait dans le même créneau. Effectivement, oui. Je pensais plutôt à des épreuves très très courtes où les points défilent, et notamment cette saison, dans plusieurs tournois, on a des fois des gens qui se sont retrouvés en difficulté, et c'est vrai que ça peut être très stressant, même des gens, pourtant vous avez tous des PB incroyables sur Spectra Ball, et pourtant vous n'avez pas l'air hyper hyper confiant. En tout cas, on te souhaite bonne chance, comme tout le Merci. Monde. Et puis, on va vous inviter à rejoindre vos postes, et vous pouvez applaudir Mel West. Et eh bien en tout cas, c'est vrai que la première épreuve ce sera Cuphead en simple current patch, donc le patch courant, et ce sera l'in-game time qui fera foi dans quelques instants. Je vais vous donner donc les PB des personnes, donc le PB de Mel West, 17-42, 18-16 pour Super Lingot, 17-50 pour Bro, 18-07 pour Tifa, donc des PB très solides. J'ai eu l'impression souvent que à très haut niveau, ce jeu a été assez peu décisif, que tout le monde faisait des grosses perfs. Ouais, c'est un jeu qui, globalement, je pense, amène une régularité plutôt par sa facilité, parce qu'en vrai, si on s'en réfère juste à ses mécaniques, c'est un jeu qui est très très punitif. Une mort peut faire perdre souvent une minute trente en fonction du boss sur lequel on est. Simplement que voilà, les runners ont tellement bien travaillé leur jeu, ont tellement de régularité, qu'il se trouve qu'il meurt très peu, voire même quasiment jamais. Et je pense qu'on va avoir droit à une race particulièrement intense avec 4 runners qui se suivent. Et ça va être très intéressant de voir le choix qu'ils vont faire, quel damage boost ils vont prendre, quel risque ils vont prendre, parce que ça risque de se jouer à ces secondes-là. Même si les conditions n'étaient pas strictement similaires, on rappelle, à la GF2 du coup, Mel West avait eu 1994, 1929 pour Super Lingot, 1911 pour Brother Main et 1821 pour Tifa, en dessous de ce qu'il pouvait faire. Mais il y a eu plein de PB depuis. Cuphead, ça démarrera, on vous montrera le clip dans quelques instants. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'au championnat race, là où les runners soumettent leur meilleur temps, donc fait en tournoi, Tifa est beaucoup mieux placé en fait. Il est à 2025 en PB Race, ce qui fait qu'il est deuxième en PB Race. Donc, c'est assez intéressant cet ajout qui est nouveau à l'UD6, qui est ce classement race où voilà, on juge les joueurs par leurs résultats en condition dans des no reset, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de recommencer, ils ont un one shot, et on a quand même des différences qui sont à noter quand on essaie de faire des pronostics comme ça. Et Devil Tifa est assez bien placé, ouais. En tout cas, on va se regarder le clip de la première épreuve Cuphead. Les runners se concentrent et se préparent. La race débutera très peu de temps après. A tout de suite! A tout de suite.
préparés. On voit donc les PB qui sont affichés, comme on le disait, donc des PB assez solides. On rappelle quand même rapidement les conditions de cette épreuve. 29 minutes, c'est le temps max de cette épreuve. 29 minutes IGT. Ok, si vous terminez dans les temps, on vous donne 100 points. Si vous ne terminez pas dans les temps, c'est 0. C'est la saison 6, c'est cruel. 19 minutes, le temps des 200 points. C'est 1 point toutes les 6 secondes. Ça défile, j'ai envie de dire, modérément vite, parce qu'on a vu souvent des écarts de points relativement faibles. Et à chaque fois, ils ont vraiment fait des grosses perfs sur ce jeu. Ouais, bah il suffit de voir là les PB où on a une différence d'à peu près voilà un peu plus d'une trentaine de secondes entre chaque joueur, enfin entre le premier et le quatrième, pardon, et pourtant des différences de points qui, a priori, hein, si on regarde le corpus entier, va pas avoir vraiment d'impact par la suite. En tout cas, les runners vont lever la main pour nous indiquer clairement s'ils sont prêts. Et ben ils sont tous prêts, c'est magnifique, on va pouvoir faire un décompte. Tous ensemble. 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, c'est parti. Jeu de plateforme. On n'est pas obligé de faire le tuto, mais évidemment, on va le faire car on peut récupérer des petites piécettes qui vont nous servir à aller chez le marchand acheter une nouvelle arme parce que l'arme de départ, évidemment, on n'en est pas suffisamment content. Non. Ça va être utilisé pas mal de temps dans la run, mais effectivement, ça ne va pas suffire. C'est même en fait la seule fois où on peut ramasser des pièces, parce que les pièces se ramassent dans des phases de hit and run, voilà, de shooting. Et vu qu'on ne fait une catégorie où on ne tape que des boss, bah voilà, les pièces ne sont récupérables que ici. Tifa, qui est le premier à quitter le tuto. Alors là, il y a deux armes. On a vu, la dernière fois, il y avait eu trois spreads et un round burn par pro, donc une stratégie plus safe a priori. Alors, ce qui se passe. Voilà, alors le spread, c'est l'arme rouge qui fait très très mal au corps à corps, mais qui a très peu de portée. Et le roundabout, c'est une arme avec plus de portée. Donc là, on a ici un spread pour Tifa. Oh, roundabout côté Brother Main. Donc, comme il nous avait montré à la grande finale, il réitère, ça avait vraiment bien marché parce qu'il me semble qu'il était vraiment arrivé dans les premiers. Malgré ce choix, c'était assez extraordinaire. Ouais. Alors, on rappelle, on peut conserver, on a aussi son arme de base, donc on va pouvoir switcher d'une arme à une autre. On a un bouton de saut, on peut du coup spammer, on peut tirer évidemment le plus vite possible. On peut concentrer son tir pour balancer une ex, voire plus tard, sous certaines conditions, une super, ce sera le cas quand on fera de l'avion. On rappelle, on est en simple, donc la catégorie facile. On n'aura pas toutes les phases des boss, ni tous les boss, puisque on n'aura qu'à débloquer simplement les îles et débloquer, arriver jusqu'à la zone de fin sans faire le boss rush final. La carotte qui est battue. Allez, pour Tifa, en premier. Avec une belle avance, Mel West avec la super qui va terminer à son knockout. Tour. Brother Main qui s'est terminé et Spiny God aussi. Donc David Tifa avec une bonne avance et ensuite les trois qui sont assez serrés avec un bro. Voilà, il a le roundabout et il assure. Alors il faudra toujours pondérer car là évidemment on voit qui est en avance, mais vous voyez affiché en plus de notre chronomètre indicatif qui est au centre, le chronomètre indicatif de chaque runner en bas à droite de chaque écran, c'est le temps réel qu'ils ont joué. Donc on voit Tifa, il a un ordi sans doute plus puissant, du coup le temps il joue, il est en avance mais moins que ce qu'on pourrait imaginer. Absolument, c'est pour une question d'équité évidemment, pour pas que le hardware soit le point impactant. Allez, on va se mettre ici, on va déplacer les axes, c'est parti. On profite du dégât pour rester dans l'Xbox. Oh là là, note. Allez, première mort, ça arrive souvent hein, dans les débuts d'ultime finale où on a des morts qu'on voit très rarement. Le stress, le fait de se mettre dedans dès le début. Et ensuite ça ira mieux. C'est bon pour Mel West. Bon, hein, très, très optimisé, la bonne portée. Mel West a vraiment des stratégies très agressives où il se met au corps à corps et du coup ouais, le spread c'est vraiment le bon choix pour lui parce que tous ses projectiles vont toucher quasiment, il va gagner pas mal de temps avec ça. Super Lingon Mel West, très très serré en tout cas pour cette première place. Tifa évidemment quatrième car il y a eu cette mort. Allez Gaben, on va progresser donc assez peu de boss mais c'est vraiment un jeu, il y aura que des boss, on verra pas les niveaux run and gun, justement c'est ça qui est très agréable. Ouais. Voilà. Allez, ici ce boss, cette espèce de chewing-gum, on va bien suivre les rebonds de la boule pour que voilà tous les projectiles touchent. Et là pour le moment ça se passe bien, il y a très très peu de projectiles qui passent à côté, la trajectoire qui est parfaitement bien suivie. Le problème c'est que là il est censé être à droite lorsque ça grossit, mais c'est pas grave, c'est son choix, ça a l'air de bien se passer. Et normalement, hein, si le plus de projectiles ont touché, ça devrait être bientôt la fin.
Mel West fait la même chose. Qui va terminer c'est en bon. Premier knockout de Super Lingod. Ouais. Mel West qui a rattrapé un petit peu de temps. Tifa, très concentrée. Alors on rappelle, les boss ont une grosse barre de vie qu'on ne voit pas. Donc il faut justement essayer de savoir où on en est du combat. À certains moments clés, à certaines valeurs, il y a des phases qui se déclenchent. Et on peut tout à fait faire en sorte que certaines phases durent moins longtemps parce que, comme la barre, c'est qu'une seule barre, si on balance en fait des grosses attaques alors qu'on est en fin d'une phase, ça mange un peu et on se retrouve de la phase d'après. Ouais. De la phase d'après, donc du coup on peut se retrouver. Ça peut être intéressant de bien choisir au moment où on envoie ses ex. Les phases en avion, c'est loin d'être les moments les plus faciles. C'est loin d'être les moments les plus faciles et loin d'être les moments où en plus on a le plus de temps à gagner. Notamment certaines phases en avion qui sont tout simplement des auto-scrollers. Bon, là c'est pas le cas, il va falloir optimiser le DPS ici, le damage boost pour Mel West qui est réalisé pour gagner du temps. Voilà, donc on reste sur la trajectoire du boss, on se prend un coup, c'est fait exprès, mais ça permet d'optimiser le DPS. Il y a moyen d'en faire un deuxième très bientôt. Oh là là, alors ça c'était pas du tout prévu côté Mel West, donc il va falloir faire attention, mais heureusement il n'avait pas prévu de se prendre deux dégâts intentionnels, donc c'est... Oh là 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 là. Alors je me demande s'il a pas eu pris la décision de se suicider, parce que c'était quand même assez étrange, il a vraiment foncé dans le boss littéralement. Non, je pense qu'il a voulu déclencher, j'ai l'impression, mais que un peu trop tard. Effectivement, ouais, ça super peut-être. Il avait sa super, donc peut-être le stress. Ici, un damage boost côté Brotherman. Alors on voit pas le compteur d'HP avec l'icône sonore, mais là, il a marqué 2. Donc il a encore un dégât possible... Qu'il aura le droit de se prendre. Il va activer la super ici pour faire. Oula, un petit peu hésitant, voilà. Mais ça va bien passer. Alors, on rappelle aussi, hein, pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce jeu, en plus de sauter, tirer, tirer juste quand on est en avion, on peut interagir avec tout ce qui est rose à l'écran, notamment des projectiles, des objets, en faisant justement des paris. Donc on va, en plus du fait que ça ne nous touche pas, ça va nous faire augmenter notre barre pour faire des coups spéciaux. J'ai l'impression qu'il y a des fans du jeu dans la salle. C'est un jeu que les gens ont beaucoup aimé, j'ai l'impression, cette saison. Et bien sûr, on trouvera toujours des gens qui ne l'ont pas aimé, ça c'est sûr. Peut-être le boss un des plus redoutables de ce début avec cette plante, absolument. Cette fleur. Absolument, on n'a que 3 plateformes et en réalité on n'en a qu'une, hein, parce qu'on n'a pas vraiment l'intention de se mettre sur les 2 plateformes qu'il y a derrière. Et du coup, bah, ça laisse un espace assez restreint en termes de mouvement. Donc il va falloir éviter des projectiles, surtout ne pas tomber, car vous le voyez sur le sol, il y a des plantes qui vous tuent. On fait les sauts évidemment pour toucher, pour que tous les projectiles de notre arme touchent l'hitbox, hein, car on fait beaucoup plus de dégâts, chaque projectile fait des dégâts indépendants, c'est pour ça que le spread faut être au corps à corps et faire en sorte que tout touche. On balance évidemment les ex avec l'arme de base corps ici, à corps, et c'est le knockout. Bon, c'est très fréquent que les joueurs aillent vraiment dans les hitbox du boss pour mettre les derniers dégâts. Et surtout Bro, qui est pour l'instant en gros à égalité, qui est premier avec Super Lingod, bien qu'ayant du coup... une arme a priori plus faible, ouais. Même si pour le début de run, en fait, c'est moins pénalisant. En fait, il y a des moments, il y a des boss, où effectivement, tous les gains et les pertes, ça peut varier effectivement d'un boss à l'autre. Allez, on saute, on fait ses petits sauts. Mel West, c'est assez rare qu'il perde, comme on a vu tout à l'heure, une vie en début. Allez, il a 2 points de vie là. Voilà, knockout. C'est allé assez vite, heureusement. Donc c'est vraiment des... Voilà, certaines personnes diront qu'il faut jouer safe, mais pas trop non plus, parce que si vous jouez safe et que vous prenez plus de temps, bah, plus le boss dure et plus les phases sont compliquées. En théorie, comme on vous l'a dit, c'est vraiment une sorte... C'est un jeu super agréable. Normalement, à l'issue de cette épreuve, les écarts de score, même à raison d'un point toutes les 6 secondes, ne devraient pas être très importants. Là, on va faire pour cette seconde île. On va commencer par la baronne, on va faire ce qui est le routing qui s'est dégagé il y a quelques mois maintenant, qui n'était pas le cas au début de saison. On fait les boss dans un autre ordre pour gagner un petit peu de temps de déplacement sur la map. Absolument. C'est pas grand chose, mais c'est littéralement gratuit, hein, c'est juste une question de choix. Alors là, il y a aussi un peu de RNG, puisque dans cette première phase, il y a différents ennemis. On va pas tous les affronter, on va en affronter certains. Il y en a certains qu'on n'a pas envie de voir à certains moments, etc. Le randoman, par contre, est très très bon pour cette phase-là. Absolument, il a juste arrêté à rester sur ce bonbon volant. Et voilà, knockout de Bro, qui a priori prend la tête. Absolument, il va terminer donc ce boss à 7 minutes 40. Super Lingod, lui, va le terminer vers 7 minutes 46. Oh, Tifa s'est fait toucher là. Par contre, il est à 1 PV. Ça me semble
faut qu'il se concentre. Ça va être compliqué parce qu'il reste, ce mini ensuite. Voilà, ensuite voilà, la toute dernière phase. Il va falloir assurer. Il a la super totalement chargée, à voir comment il s'en sert. Mais s'il s'en sert, il va vraiment au corps à corps. C'est prendre des risques ici, alors qu'il a plus qu'un HP avec le petit soldat juste en dessous. Il arrive à bien l'éviter. Il est quand même très lucide sur ce qui est en train de se passer à l'écran. Allez, il décide de switcher sur l'autre arme pour tirer à distance. C'est beaucoup plus safe. Ça a beaucoup de PV, mais pour le moment. Il est assez voilà, il a vraiment pris la décision de prendre. Oh là là là, il a vraiment les bons choix. Oh là là, très tendu ici sur cette fin de boss, ça s'applaudit bien évidemment. Et Mel West un petit peu derrière qui lui aussi est en danger. Avec ce tout dernier HP, il a réussi. Oh là 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 là. Là, c'était le projectile qui allait le tuer et il a bien évité. Alors justement là, ce monde quand on est en avion avec ce coucou, cet oiseau qui a pas mal de phases, qui est assez long, qui peut être, surtout sur sa dernière phase, qui peut être assez terrible. Voilà, cette phase-là, il va falloir rester dans une bonne portée, voilà. Rester en bonne distance ici pour ne pas se prendre les orbitaux. Allez. C'est bon, le knockout pour Bro. C'est très bien géré, Bro, ici, qui termine ce boss à 9 minutes. Bro qui est pour l'instant en tête. On rappelle, on pourrait avoir toujours, c'est pareil, des PB Race, parce indépendamment en fait, de l'ultime finale, des fois il y a les petits PB Race qui viennent gratifier un petit peu, voire des fois des PB tout court. Ouais. On en a eu la dernière fois, c'était fou. 10 pendant la grande finale, ce qui est ahurissant. Je sais pas combien on en aura. On a que 4 joueurs, donc en théorie au moins 2 fois moins. Et il y a le setup, donc c'est compliqué. Allez, le génie. Devil Tifa ici qui a. Accusé un petit retard et pas forcément à cause des morts. On a vu, il a dû jouer safe sur certains boss et du coup fondamentalement perdre du temps. Mais après, une des meilleures strats, ça reste de ne pas perdre de vie à Cuphead. C'est quand même particulièrement vrai. Les pertes de temps sont assez conséquentes. Allez, c'est bon, c'est validé. Le génie qui s'est souvent bien passé. Une fois, ça s'était mal passé et c'était Bro. C'est ça. Ici, on essaie de tuer tout. Les piliers qu'il est possible de tuer parce que ça retire de la vie, mine de rien, faut le savoir. Plus que se frayer un chemin, voilà, ici on pourrait juste ignorer le deuxième, mais on va quand même le tuer pour gratter du temps. Ça fait toujours ça de prix pour sa barre de vie, hein, c'est toujours. Faut être gourmand, faut être gourmand, mais pas trop. On est à ça près. Voilà, ça connaît. Ah oui, là, voilà, hein. Vraiment. Oh là là, quelle belle gestion ici du corps à corps. Allez. Super Ligot qui également, il a 2 points de vie. Dans la même situation. Pour les personnes qui ne connaissent pas le jeu, hein, en bas à gauche, les points de vie. Et les petites cartes, c'est un petit peu les cartouches pour faire des ex et des super. Et on peut toutes les utiliser d'un coup pour faire ce gros missile qui fait quand même passer pas mal de temps, qu'on préfère utiliser sur cette phase parce que c'est quand même la plus énervante. C'est bon, en 10 minutes 45. En général, ce qui se passe, c'est que les ex et les super, on les garde pour les phases vraiment difficiles. Comme ça, ça écourte la partie difficile. Bien sûr. Allez, Tiff a 3 points de vie, on est bien. Toujours Bro et Super Lingon sont pas mal. Bro légèrement devant. Ouais, Super Lingon, une quinzaine de secondes en retrait. C'est vraiment rien pour le moment. Il arrive bien à coller. Une petite erreur de Bro. Hein. Il a juste à attendre tranquillement dans son buisson avant de lui sauter dessus une fois que Bro a commis l'erreur. Non, mais c'est la norme d'être gourmand. Hein. En fait, c'est moi qui suis trop frileux quand je joue. Hein. Mais souvent, mine de rien, c'est voilà, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et parfois, avoir cette bonne connaissance de hitbox et ne pas avoir froid aux yeux, c'est ce qui permet d'être le plus safe, paradoxalement. Allez. Particulièrement vrai sur Dark Souls, notamment. Allez, tranquille. Voilà, ici, il faut... C'est validé côté Tifa. Oh, alors là, je crois pas... Ok, ça va c'est être bon. Et un de mes boss préférés, en l'occurrence, là où sont Bro et Super Lingod. On rappelle, hein, parfois, vous verrez des trajectoires. Quand les boss sortent de l'écran en transition de phase, des fois, on verra les runners faire des trajectoires, notamment tirer vers le bas. Ça pourra vous surprendre, mais souvent, c'est pour toucher leur hitbox qui, par défaut, peut apparaître ici. Donc, en général, c'est parfaitement maîtrisé, allez, même la, si ça peut vous surprendre. Ouh, l'âne jaune qui est vraiment très facile parce que là vous voyez les. Voilà. Il faut gratter, il faut être gourmand. Les projectiles vont juste se mettre en haut et ensuite on a juste à passer sous l'âne. Et voilà pour le détruire. Et c'est bon. Touché, achevé. Touché alors qu'il était hors screen, faut le savoir. Allez, c'est bon. Mel West. Ah, il est gourmand Mel West parce que c'est assez capricieux des fois les déplacements de ce vilain clown. Effectivement, c'est pas très intuitif. Voilà,
les axes en bas. La deuxième phase, le ballon. Alors, le dragon pour Bro. Dragon qui est un des boss. Alors, la première phase, assez facile. Et la deuxième, on a vu des drames, des fois. Des drames, ouais. C'est vraiment une phase très, très compliquée à gérer parce que tout simplement, les plateformes qui nous rendent safe avancent. Et du coup, ce qu'on va faire, bah, c'est ce qu'on avait parlé au début. On va essayer de mettre un gros, gros coup de dégâts juste avant la fin de la première phase pour écourter la deuxième. On va voir s'il va bien réussir ça. Alors, j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment optimisé son DPS juste avant la transition, mais... Il a fait beaucoup d'ex. Après, il y en a qui préfèrent le garder pour cette phase, justement. Mais bah après, il y a différentes techniques. Lui, au Rundebund, le dragon, pour le coup, est plus facile. Oh, très belle utilisation du dash ici pour sauter ce gros trou, mais il se prend... Oh, il est très, très confiant quand même pour foncer vers l'hitbox du boss, mais il a plus qu'un HP. Oh, attention ! Oh, le joli saut ! Le joli saut ! Il a encore... Nickel ! Super Lingot dans la même phase, une quinzaine de secondes derrière qui vient de transitionner maintenant. Mais lui, il a le spread, il est obligé de se mettre quasiment au corps à corps et de tirer vers le bas. C'est très bien maîtrisé. Et il termine sans accro avec 2 HP, 13 minutes 30. Une dizaine de secondes derrière Brovermane. Allez. C'est pareil, même technique ici, on va utiliser quelques axes. Ici, pari. Il en a 3, il en a très 4, grâce au pari, pas mal. Ah non, il est balance ici. C'est parfait. Ouais, c'est pas mal, c'est un joli burst là qu'il vient de mettre. Allez, maintenant c'est parti. Il va prendre évidemment l'arme de base. Attention au chapeau, on saute. Ici la diagonale avec le spread. Le dash, on revient avec l'ex. Oh, très joli réflexe ici sur la ce diagonale, c'est vraiment le la difficulté. Spread. Le dash, oh ouais, il est très très gourmand. Là, il est très, très gourmand, il se fait toucher. C'est pas grave, il fonce dans l'ex, attention. Le dash ici qui est très attention. Très bien maîtrisé. Allez. Ah, mais il est très ça, très ça solide pas, ce dragon. Et oui, je crois que le burst de la transition n'était oui. vraiment pas bon. Il s'est très bien débrouillé pour rattraper cette petite erreur au niveau de la transition. Super Lingon en tout cas qui est sur l'abeille. C'est un boss assez facile, mais on prend des fois un petit peu de risque justement. Bon, c'est bon. Pour on les est fast en kill. On est en UF, on peut dire que c'est gratuit, je pense. Ouais, c'est. Allez. En fait, je disais ça la dernière fois, mais à la grande finale, quelqu'un est mort, je crois, ou TDC, un des deux sur ce boss. Donc, je n'oserais pas. Attention, Super Lingon, attention. Pas trop prendre de risques. La difficulté de ce boss, c'est vraiment le tout début. Après, normalement, il n'y a pas de soucis. Non ! Super Lingon qui glisse. Le Jinx, bien sûr, il fallait. Et Brother May, lui, profite pour creuser son avance. Il avait dit, de toute façon, c'est... De toute façon, ils ont tous des très bons PB. À la grande finale, qui avait fait le meilleur score sur Cuphead ? C'était Bro. Qui avait fait la mais avec le roundabout du coup avec qui avait le fait roundabout, ouais, c'est... 208 points en fait il avait fait. Il est en train de montrer à quel point cette arme peut être efficace. Alors a priori c'est vrai hein, comme tu l'as dit, les boss de fin sont souvent ceux qui sont vraiment plus longs avec le roundabout, donc à voir s'il va se faire rattraper. Super Lingon oh, là, mal, qui se rattrape quoi. Bien. Il est pas mal. Allez Bro qui est au théâtre, un boss normalement qui a pas posé trop de soucis ces derniers temps, c'est pas forcément le plus facile, mais ça s'est assez bien passé lors de tous les derniers tournois. Ouais, mais c'est un des boss qui a posé le plus de problèmes au tout début quand il a été annoncé, parce qu'il y a beaucoup de projectiles qui sont pas forcément évidents si on n'y fait pas attention, typiquement des biberons qui tombent et qui se fondent un petit peu dans le décor. Ah, les vilains biberons. C'est ça, mais quand on commence à avoir l'habitude du jeu... Et de la run, bah ça se passe quand même beaucoup mieux. Les enfants malicieux qui balancent ces petits biberons et les petites taupes, c'est trop mignon. Ah oui, il est totalement acculé, mais quelle maîtrise! Quelle maîtrise! Totalement voilà, parce acculé. Que déjà là, il touche la hitbox avec les ex. Tout est parti en ex. Maintenant, on reste, on va prendre le dégât ici intentionnellement pour rester sous le boss évidemment. Il y a le run de barn et l'ex qui termine! C'est absolument exemplaire ce qu'il est en train de nous faire. Et dans beaucoup de situations où il se retrouve un petit peu bloqué, acculé, il arrive à vraiment se défaire de tout ça. Il nous montre vraiment du gros niveau. Je pense que si quelqu'un d'autre ramène cette coupe, ça rendrait peut-être service à Melos. Il en a 3, il a plus de place sur sa cheminée pour mettre les trophées. Mais oui, mais c'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Il a vu le trophée, il a fait pff, encore quelque chose à transporter. Et on verra bien s'il le transportera en tout cas. Mais on fera une interview d'eux à 50 ans quand ils seront là avec toutes les coupes. Alors ça, c'était l'UD5. Allez, c'est parti. Le tout spot dernier ici. Boss avec ce safe spot, effectivement. Phase, qui sert à passer cette première phase. Il est très très bien, gros. Hein. On rappelle hein, quand même
le record du monde en début de saison, c'était 17-34. Maintenant, c'est 16-46 in game time, donc évidemment, on est derrière. Ouais. Là, déjà, si on. Et on n'est pas loin du record du monde en début de saison, effectivement. Ouais, 18. Souvent, on va viser pour des runners. Si on est proche des 18-30, on est vraiment. C'est un très très bon début d'ultime finale. Absolument, ouais. Même sub 18, je pense qu'ils en rêvent et c'est pas exclu. Là, avec ce qu'il est en train de nous faire, bro, il va rester une seule phase et ensuite un sprint final pour aller déclencher l'écran de fin. Cette dernière phase qui est vraiment, a priori, pas compliquée dans le principe. Hein. On se met à gauche, on tire et ensuite il va falloir... Qui va être plus longue ici. Alors à quand il a son côté, il a ses axes ici, il va se mettre ici. Se tirer en diagonale, tirer un pari. Et oh, voilà, voilà. Même pas besoin de faire un coup de pari sur le chariot. Mais attendez. C'est formidable. Est-ce qu'il se dirige pas vers un pibi? Non, c'est 17-50, il va faire peut-être un pibi race, c'est 18-9 son pibi race. Donc en tout cas, il va être très proche, c'est ça qu'il faut retenir. Car on rappelle que la validation du temps, même s'il n'y a plus de boss, c'est, vous le savez, regardez, juste après le tapis rouge. Bro qui va quand même être très proche de faire un méga temps. Il va ça faire va mieux, terminé dans 5 ça va secondes. Être son pibi race. Et déjà un premier pibi race pour Bro. Et sub 18 17-56. C'est le deuxième meilleur temps de la saison en race. C'est la deuxième performance mondiale de la saison. Et ben c'est très très beau. Il commence sur les chapeaux de roue. Hein. Mais je pense que c'est, on a fait les show match avant, tout le monde est détendu. Ouais, il n'y a pas de stress, ouais. Ils sont là comme ça, on a rigolé déjà. Et c'est cool. Ça. Allez ici. Tifa, alors qu'il est un petit peu derrière, ouais, bravo ouais. À Tifa, il a un chrono, il a un ordinateur un petit peu plus puissant, du coup il a un peu plus joué, on voit 18-57, donc effectivement. Il est quand même un ça peu derrière. Ça va être au-dessus de 19 minutes, et même on voit Super Lingot qui, pendant toute la run, a collé à une dizaine, vingtaine de secondes maximum, va finalement avoir presque une minute de retard. Brother Main qui, malgré son roundabout sur les derniers boss, a creusé l'écart, c'est phénoménal ce qu'il a fait. Super Lingot qui ne démérite pas avec son 18-44. On avait dit tout à l'heure que les écarts n'allaient pas être forcément énormes. 18-44 Super Lingot. Oui. C'est un PB race pour lui aussi. C'est un PB race pour lui. Donc ça commence sur les chapeaux de roue. C'est l'UF. Ah, c'est parti quoi. Cadeau, les PB race qui pleuvent. Quelqu'un met des bâtons. Moi je vais pas compter de tête. Ouais. C'est complètement la folie là. C'est... Alors que on n'a pas forcément effectivement regardé l'écran de Melwest et il est tombé bien derrière Devil Tifa. 19-30, ça fera un petit début plus calme. C'est ça. Mais après, voilà. Il y aura sans doute un petit retard, mais rien de bien méchant. À raison d'un point toutes les 6 secondes, on va être autour de 15-20 points, effectivement. Quelques instants, on va pouvoir applaudir Melwest qui va du coup clôturer cette première race sur Cuphead. Et la première épreuve de cette ultime finale, si c'est terminé. Les runners vont se préparer pour jouer la prochaine épreuve qui sera A Story About My Uncle 80% Nofling qui sera du coup deuxième épreuve, une épreuve assez longue, ouais. Beaucoup plus smooth. Absolument, mais c'est un peu le problème. Hein. C'est un peu comme quand on est en voiture, faut pas s'ennuyer, faut toujours rester sur ses gardes. Parce que là, on l'a vu, les accidents arrivent vite. On avait dit que Cuphead, il n'allait pas forcément avoir beaucoup d'écart parce que les joueurs ne mourraient pas. Mais forcément, les conditions font qu'ils font des erreurs. Et sur Cuphead, on l'avait prévenu, les erreurs sont punitives. Et on va regarder les scores dans quelques instants. On va avoir des écarts qui sont plus grands que ce qu'on aurait pu imaginer au début. Plus grand, mais encore, on va dire, une sorte de delta pas si important. C'est vrai qu'un point tous les 6 secondes sur Cuphead, c'est vraiment smooth. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on a mis ces jeux-là au début, même si en plus c'est un très bon jeu d'introduction avec ouais, son ambiance jazzy, le score couchasse de cette première épreuve. On a un Melwest qui termine un petit peu en dessous avec 192 points, 4 petits points au-dessus, 196 points, Devil Tifa avec un 19 minutes 19, et ensuite 2 au-dessus des 200 points, Super Lingot, un PB Race à 202 points, 18 minutes 44, et Brother Main qui prend la tête 8 points au-dessus, 210, avec lui aussi un PB Race, 17-56, c'est le sub 18. Et on n'en a pas vu, ça s'applaudit. On a Vandal qui nous rejoindra tout à l'heure pour le commentaire du coup de A Story About My Uncle. Comme vous savez, en français, on est toute une joyeuse équipe là depuis la grande finale. Ouais. En plus de Kouchas et moi, il y aura LF et Vandal et du coup, on formera tout un tas de duos flamboyants, je divers l'espère, et pour du coup vous commenter tous ces jeux du coup sur la seconde épreuve A Story About My Uncle. Ce sera du coup Vandal et Kouchas et moi, je reviendrai avec LF après pour Metal Slug.
ça sera très sympathique. Juste avant, pendant qu'il se prépare, un tout petit mot avant qu'on regarde le clip. Toi, sur un corpus comme celui-ci, comment t'appréhendrais éventuellement, toi qui as aussi fait deux fois du coup des ultimes finales, de par la nature des jeux, peut-être, est-ce que t'aurais des... Comment t'appréhendrais un petit peu la chose ? Ah, surtout que c'est séparé en deux journées. C'est surtout ça, c'est une différence quand même qui est assez marquante. Je dirais là, avec le départ qu'ils ont fait, c'est rester quand même dans leur bulle. On a un Brother Main qui est parti très très fort. Ça m'est arrivé de partir très fort sur une ultime finale, à faire un PB et ensuite à m'effondrer totalement. Voilà, parce que forcément, il y a les conditions et puis le fait qu'on est excité parce qu'on a fait une super perf. Et à l'inverse, pour Melwest, vraiment garder à l'esprit que sur 10 jeux, tout est encore possible et on peut revenir. C'est vraiment, c'est pas évident dans ce genre de conditions de se dire, là on peut se dire 4 points c'est énorme pour revenir sur le 3ème, non c'est rien du tout, mais encore faut-il s'en rendre compte. En tout cas, on va regarder le clip de la prochaine épreuve, A Story About My Uncle. Pendant ce temps-là, il y a Vandal qui nous rejoindra. Retour, c'était presque la fin. J'ai vu le clip que 50 fois, donc forcément, fallait que je me fasse avoir. Donc, Vandal nous a rejoint, vous pouvez l'applaudir. Ouais. Bonjour tout le monde. Alors, voilà. Comment tu vas, Vandal? Très bien. En tout cas, t'es là depuis hier, t'étais présent jusqu'à très tard pour les runs. En tout cas, on a fait du DuckTales, ça a commencé dès le coquelicot. Là, tu faisais du coup la communication et le Twitter. Te voilà pour commenter A Story About My Uncle. Un petit mot sur le jeu avant que je donne les PB des joueurs. Un jeu très smooth, mais il faut quand même plus dire couche avant la fin de Cuphead. Faut pas se laisser justement prononcer par le jeu. Restez concentré car une seule erreur et ça part très très loin. En tout cas, les PB des gens, juste avant que je leur laisse la parole. Alors, qui a le meilleur PB parmi les quatre? Ils ont tous déjà des super PB, c'est assez impressionnant. 28-51 pour Melwest, 29-26 pour Superling God, 28-45 pour Bro, 29-47 pour Tifa. C'est donc Bro qui a le meilleur PB, en tout cas, au championnat. C'est ça, avec donc une minute d'écart entre le premier et le quatrième. C'est assez parlant sur... sur leur régularité et sur ce qu'on va pouvoir observer, je pense, dans cette run. Et à la grande finale, ça a complètement confirmé, puisque à la grande finale, c'est Bro avec son 29-43 qui avait mis plus d'une minute au deuxième, quelque chose comme ça, un 202 points. Il a dit qu'il était confiant, donc on espère en tout cas que tout va bien se passer pour lui et pour les autres, évidemment. La run et les runners nous font un petit signe pour nous dire que tout est OK de leur côté, comme d'habitude. Le petit signe... Non. Ah non, on a un signe de Tifa, un signe de Bro. Et Melwest qui écoute de la musique dans son casque. Devil Tifa ready. Brother Main non, ready. Non, il y a peut-être un truc. Donc en tout cas, c'est vrai que A Story About My Uncle, donc 80% no fling, donc il y a un glitch qui n'est pas autorisé. C'est un jeu avec des temps de pause. Des oui. temps de pause qui... Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, je pense. C'est tout à fait vrai. Du coup, quand je parle de temps de pause, ce sera le seul jeu peut-être entre les deux journées où il y aura peut-être 1, 2 à 3 minutes à certains moments de cinématique. Ça permet du coup de se dégourdir. On pourra du coup, vous pourrez dire tout un tas de choses, surtout aux nouvelles peut-être sur cette journée, sur demain, sur la saison, sur les futures saisons, enfin même si Mais on n'a pas encore dans notre poche. Dans un coffre-fort, évidemment, on a les jeux de la saison 7, vous en doutez. Et de la saison 8. Et de la saison 8, on roule sur plusieurs saisons à l'avance. Oui. Donc, Superlingon nous fera un signe quand
son jeu sera, même si c'est un jeu peut-être plus capricieux, ça, ça veut dire Super Lingot, c'est ok, MLOS c'est ok, bon. Et Bro et Tifa, c'est toujours ok, il n'y a pas eu de crash. Il n'y a pas eu de problème. Ok, je vais vous laisser. Double ok. Double ok pour confirmer. Ça a l'air bon. Allez, on a un Bro qui est vraiment lancé, Super Lingot un peu derrière, et Devil Tifa, MLOS qui ont... un petit peu subi sur Cuphead, on peut les encourager pour ce Story of Bad My Uncle, parce que c'est un jeu presque, j'ai envie de dire, je pense que le mot qui correspond le plus au jeu, à mon avis, c'est anesthésiant. Ah oui, on est totalement d'accord, je pense que le public est également d'accord pour ça, mais j'ai entendu un nom dans le public. Peut-être un nom. Alors, donc dans ce jeu, on va commencer donc dans ce qu'on appelle le workshop, qui est en fait une espèce d'introduction au jeu. C'est pas une introduction cinématique comme on peut avoir dans la plupart des jeux. Là, on va nous laisser jouer, mais seulement, on va seulement nous laisser marcher jusqu'au réel début. C'est vrai, c'est pour surtout se promener un petit peu, commencer le jeu tranquillement. Parce qu'à la base, voilà, Story About My Uncle, c'est quand même un jeu basé sur du storytelling. Donc, il y a quand même une histoire à suivre. D'ailleurs, c'est assez dommage qu'il n'y ait pas un véritable mode speedrun. Je pense que c'est ce que les runners attendent le plus. Effectivement. Pour ne pas avoir à subir cette minute 42. En grind, on a laissé la possibilité aux runners de commencer directement au niveau après, qui est le sanctuaire, avec juste ajouter 1 minute 42. Parce que voilà, l'introduction, elle est vraiment anecdotique. Anecdotique, pardon. Et puis voilà, donc pour le moment, c'est, ça attend, ça réfléchit. Bah, je pense que les runners sont prêts, on va pouvoir lancer la race. Allez, le public est prêt pour le décompte. Ils mettent leur casque, saisissent leur clavier, leur souris. 3, 2, 1, go ! Et on est parti déjà pour ce moment absolument déterminant. Mais où est-ce qu'il s'élance pour cet escalier ? Beaucoup de temps à gagner hein, dès le début. Ah bah oui, forcément un escalier comme ça, faut l'escalader de la bonne manière. Hein. Si on n'est pas vraiment au centre, si on est juste un petit peu à gauche, on peut perdre quelques secondes. Car un point toutes les 6 secondes quand même pour ce jeu-là, ça peut vite partir. Absolument. Et voilà, on récupère notre attirail, donc le petit grappin qu'on va pas avoir encore l'occasion d'utiliser. Ouais. Que ça est vraiment. Voilà, on a déjà notre, on voit notre main. Donc, il va faire un peu office de HUD du jeu, car ils ont pris la décision de pas polluer avec des HUD un peu partout. Donc, ça va vraiment être la petite main qui va indiquer le nombre de tirs de grappin qu'on peut c'est faire. Ça, ouais. Si le saut chargé est bien chargé, etc. Plusieurs éléments de gameplay qu'on aura l'occasion d'expliquer au fur et à mesure du jeu, parce que le jeu vraiment introduit les mécaniques de gameplay au fur et à mesure. Et de manière assez, comment dire, assez fluide et assez lisse. Attention, il va se passer un truc incroyable là. C'est, je le sens là, c'est le sas s'ouvre. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis la combi, on part dans l'espace. C'est un jeu globalement très contemplatif. Exactement. On va vraiment voyager dans des univers relativement variés et très ouverts. Et on aura l'occasion d'y revenir, même si c'est des univers relativement ouverts, ça laisse pas tant de liberté que ça. Effectivement, donc et voilà, A Story About My Uncle. Bah ça y est, le jeu est terminé. Hein, donc, C'est bon, c'est fini, merci. Merci à vous. Non, c'est, et voilà, après 1 minute 42, comme on vous l'a expliqué, la run commence vraiment avec les premières mécaniques de base, avec un long jump qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir faire du edge jump aussi. On va aller, pour le moment, première étape, faire les sauts les plus optimisés possibles pour récupérer notre premier grappin. Effectivement, donc là on commence par le niveau sanctuaire. Dans une majorité des jeux, lorsque on arrive dans le premier niveau, on se dit que c'est assez simple, mais bizarrement, dans un ordre de grind qui a été établi par les runners ici présents, au niveau du public ou au niveau du chat Twitch, ça a été dit que le niveau du sanctuaire était quand même relativement compliqué. Souvent, quand on a le moins de possibilités, le moins d'attirail, le moins d'éléments de gameplay, que les niveaux peuvent paraître le plus compliqués. Et c'est vrai qu'après, qu'on va se retrouver avec des rocket jump et 3 grappins consécutifs, ça peut carrément faciliter les choses. Là, on se retrouve quasiment sans rien, juste avec un gros saut et un grappin. Et en plus, on va se retrouver, alors ça va dépendre du choix des runners, à faire des skips relativement compliqués. Effectivement, si on va vraiment surfer avec la limite autorisé par le jeu, mais on ne part pas en OB, mais vraiment la limite, car si par exemple on tombe dans le... Oh là, David Tifa, première erreur. C'est pas bien passé, malheureusement. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'on va vraiment frôler les limites du jeu, car si on, par exemple, tombe dans l'eau, bah, on est immédiatement remis au dernier checkpoint qui a été atteint. Donc pour moi, voilà, le jeu est assez smooth, donc
Ça, les sauts chargés, les tirs de grappa s'enchaînent. C'est Brother Main qui s'élance en premier. Brother Main qui tente le skip. Il m'avait dit hier pendant le setup qu'il ne connaissait pas la backup. Donc vraiment, il n'a pas le choix de faire ça. Ah, et il tombe. Malheureusement, un saut qui était mal calculé. Il avait réussi à éviter la die box, donc cet espace autour de la map qui vous tue. Mais malheureusement, il a mal calculé son saut. Devil Tifa qui est le deuxième à s'élancer. Et pour le moment, il a passé le moment difficile. Il faut juste maintenant revenir sur le chemin classique du jeu. Il se prépare pour un long jump, très certainement le grappin qui arrive à s'accrocher, le edge boost ici grâce au mur. Et allez, encore un grappin. Oh, ça va, il peut se reprendre tranquillement. Il peut reprendre. Petite perte de temps. Allez, voilà. L'important c'est qu'il est passé ce qui. Voilà, maintenant il peut prendre son temps. Ça a l'air d'être passé pour Brother Main, Super Lingot qui lui est encore dedans. Et Melwes, je pense, qui a fait comme à la grande finale, il a utilisé la backup. Oui, voilà, il s'est dit je vais pas vraiment tenter ça, car si j'ai pas confiance dans ça, je vais autant faire le chemin peut-être un peu plus classique, mais qui passe tout autant, parce que voilà, on a pu voir. Oh là là, attention! Ouh là! Oh, joli! Ces petits rattrapages. Et bro! Non, dommage. Alors, attention, bro qui a l'air de paniquer ici sur ce skip. Allez, on encourage Link! Allez, car ce passage est vraiment pas évident. Vraiment pas. Donc c'est-à-dire qu'il est mort après, hein, parce qu'il avait passé cette portion. Effectivement, hein, toujours, voilà, comme je l'ai dit, rester focus, même quand les difficultés sont passées, même quand il reste a priori pas grand-chose. Des petits écarts, parce que le grappin, il a une portée, et en plus, assez difficile à évaluer en réalité, parce que cet écran au centre, vous voyez, s'illumine lorsque le grappin peut être accrochable, mais on ne sait pas vraiment à quelle distance c'est possible d'accrocher les... Pierre. Oui, bah Melwes qui attend son tour. Il va essayer de tenter, en fait, le jeu nous aide un petit peu en mettant les mêmes insignes que le réticule qu'on a là. Lorsqu'il s'illumine, on sait qu'on peut tirer dessus. Exact. Et c'est pour ça qu'au final, on n'utilise pas tant que ça les aides apportées par le jeu. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment son propre storytelling. On passe par cet endroit parce qu'on l'a décidé justement. Et pour le moment, donc c'est assez serré. En règle générale, un bon sanctuaire, je pense, ça doit être au moins un sub 6 minutes, quelque chose comme ça. Oh, Brother Main qui s'est bien rattrapé, mais j'ai l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens. On voit des chemins qu'on voit pas forcément tout le temps, des erreurs qui sont assez inédites. Brother Main là qui se secoue de frustration parce qu'il est obligé d'attendre ce cycle, parce que voilà, les pierres tournent et on est obligé d'attendre que la pierre rentre à portée. Melwes ici qui n'arrive même pas à optimiser ses déplacements triviaux et ça fait perdre un petit peu de temps, mais il termine cependant sub 6, tu l'as dit. Melwes, très bonne performance, qui termine en premier. Donc qui est également pas mal, qui est suivi d'assez proche par Devil Tifa et Brother Main, Super Ingot qui est pas trop loin de la fin, tandis que Melwes, donc là il ne peut plus faire ses petits coups de grappa. Donc voilà, on subit une nouvelle cinématique dans laquelle on peut jouer mais ne pas agir. Ouais, Super Ingot, faut l'encourager, ça fait presque 1 minute 30 qu'il est ici à cette section. Il y a, voilà, ici il faut accrocher là, et normalement le problème c'est que l'inertie est assez peu permissive. Là ça passe, mais il était mort après, donc attention. Alors, voilà, le checkpoint qui est ramassé. Qui est rassurant. Et pendant ce temps là on rencontre le personnage le plus emblématique du jeu. Les yeux globuleux. I'm Mad Madeleine, or Maddy. Friend, it's awesome. Non, ça c'est peut-être pour après. What's an anchor? Donc voilà, c'est, je pense que au fur et à mesure que... Voilà, donc c'est effectivement une cinématique en début du deuxième niveau qui n'est absolument pas passable. Qui sait, peut-être qu'on pourra éviter d'avoir affaire à son visage avec un skip qui passerait une cinématique et qui ferait gagner 2 minutes. 2 minutes, mais quand même, je pense que ça doit être une des meilleures cinématiques du jeu. Hein. On peut quand même voir à l'intérieur de ce personnage si attachant. Effectivement. Ne prenez pas en compte ce que je viens de dire. Allez, Super Lingot qui s'en est enfin sorti et qui a l'air relativement stoïque sur sa caméra. Donc le petit boost pour Melwes qui a l'air d'être bien passé justement. Une des spécificités qu'on n'a pas eu l'occasion de mentionner, c'est que les joueurs jouent en 30 FPS justement, mais c'est pas vraiment pour plutôt favoriser Edge Boost, mais plutôt pour une mécanique qu'on verra plutôt dans 2 niveaux plus tard, c'est les Rocket Boost. Mais les Edge Boost, vraiment une mécanique, on a l'impression de faire tout le temps la même chose, mais de temps en temps, si on se décale d'un petit pixel ou quelque chose comme ça, on part littéralement dans le décor et on se dit mais pourquoi je fais toujours ça d'habitude. C'est le syndrome du speedrunner, c'est on a l'impression de faire la même chose, mais de temps en temps,
le petit pixel qu'on ne voit pas malheureusement. Ouais, quand ça demande autant de précision, c'est souvent comme ça. Alors le Edge Boost, hein, pour rappeler le principe, c'est d'utiliser le grappin et de se frotter à un mur pour gagner en vitesse et aussi changer sa trajectoire, parce que l'inertie de ce jeu est quand même relativement forte et on peut pas changer sa trajectoire comme on a vraiment envie. On utilise les murs pour cela. Mel West qui donc traverse ce niveau bien tranquillement, on a vu très contemplatif, de jolis décors, et il termine. Et il termine surtout très bien joué, il a fait le skip de la cinématique. Termine la première phase. Voilà, la première phase, donc là c'est bon, on va dire qu'il a quasiment tout son équipement, il manque peut-être juste les Rocket Boots. Ouais. Là il a ses 3 tirs de grappin, donc il va se diriger sereinement vers le troisième niveau qui est Chasme. Donc les 3 tirs de grappin représentés sur le gant par ces 3 tiers lumineux autour du rond et qui se rechargent lorsqu'on touche le sol. Donc voilà, hop, on touche le sol, les 3 grappins sont là, le gros rond blanc que vous voyez c'est le long jump. Les 3 traits autour sont les charges de grappin. Ici il a fait 3 grappins, il va vouloir toucher le sol pour tout recharger et repartir. C'est un niveau très très dirigiste, même si on a cette impression de liberté et d'espace vide, mine de rien, bah, on n'a pas tant de plateformes sur lesquelles s'accrocher. On a ces rochers évidemment et c'est à peu près tout. Donc et voilà, là il n'y a pas trop de difficultés, on accroche les rochers. Pas de edge boost à l'horizon. Ouais, c'est, on termine tranquillement le niveau. Au final, il y a. Quelques passages. Ah, apparemment. Non, mais il a activé la cinématique. Ah, oui, donc il peut patienter. Il va avoir le fondu en noir et attaquer sereinement le nouveau niveau qui est juste Chasme. Donc, un niveau qui est. Troisième niveau, effectivement. J'ai tendance à compter plutôt deuxième niveau. Le workshop n'existe pas pour moi. Donc, voilà. Un niveau quand même. Bah, relativement sombre d'une part, donc faut très vraiment sombre, ouais. Savoir où il faut se diriger. On va, je pense, skipper pas mal de cinématiques. Également, le jeu est assez dirigé dans ce niveau-là, peut-être un petit peu moins que le village qu'on a traversé, mais quand même. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien du côté de Mel West. Brotherman qui attaque le niveau, David Chua qui le rejoint. Super Lingod, je crois qu'il y a. Non, mais regardez à quel point c'est sombre. C'est là où les questions de setup peuvent vraiment avoir leur importance, car on ne peut pas vraiment voir ce que les joueurs voient à travers leur écran. Mais en tout cas, sur la diffusion que vous pouvez regarder, c'est très très sombre et difficile de se repérer. Malgré tout, Mel West s'en tire très bien. C'est pas du tout le chemin prévu par le jeu, mais on a 3 grappins et on profite de cette liberté qui nous est offerte pour passer des pans entiers du niveau. Exactement, donc c'est vraiment des tirs assez précis pour faire le chemin. Ouais, c'est là, voilà, saut chargé, il va faire son petit tir de grappin et il va pas tarder à arriver devant une c'est bête. C'est passé pour Bro. Ouais, c'est passé pour Bro. Donc là, il va pas tarder à arriver devant, je pense, une bête assez mythique. Je pense que c'est une quinzaine de secondes, quelque chose comme ça. Tifa qui doit recommencer. Attention, Super Ingot maintenant qui va retenter le skip de la cinématique. C'est bien passé pour tous nos runners. Ça s'est bien passé pour c'est Super bon. Ingot. Donc voilà, le niveau est présent. Super Lingot qui maintient, mine de rien, le retard qu'il a accumulé au premier niveau. Voilà, il ne se laisse pas faire. Il reste relativement solide. Après, je pense que c'est pas sur ces niveaux-là qu'il compte vraiment revenir. Pour l'instant, c'est des niveaux qui ont l'air compliqués, mais plus on va progresser dans le jeu. Et il y a certains niveaux qui sont plus simples, d'autres un peu plus compliqués. Une courbe de difficulté. En somme, en dents de scie, exactement, je cherchais l'expression. Donc voilà, cette bête-là, faut juste attendre. Ça paraît simple, mais de temps en temps, quand on voit ces lumières-là, on peut dire « Ah, si je bouge un petit peu, bah en fait, cette bête vous expulse en arrière et du coup, vous tombez, vous devez reprendre au dernier checkpoint. » C'est un ennemi qui n'en est pas vraiment un, parce qu'on ne fait que l'ignorer et puis il nous fait pas, trop de mal. Ouais, juste il nous regarde, c'est peut-être il veut faire un peu connaissance. Protège ton trésor, peut-être. Exactement, et donc là c'est terminé pour Mel West, donc il va juste patienter un petit peu. Il va pouvoir attaquer, je pense, un niveau assez majestueux, qui est, je trouve, également assez bien designé, qui va être Starhaven. Starhaven, où là on va pouvoir vraiment rentrer dans le cœur de ce qui est un jeu contemplatif avec des paysages assez phénoménaux. Des panoramas très jolis, parce qu'en fait c'est basé donc sur cet univers d'île flottante, littéralement. Vous allez très vite vous en rendre compte sur l'écran de Mel West. En attendant, Devil Tifa suit de pas loin Mel West. C'est Brotherman qui en premier après Mel West passe au niveau suivant. Voilà, comme ça a été dit, This is awesome. Voilà, meilleur niveau du jeu, apparemment. Bah, mais également, un niveau où il faut quand même conserver sa concentration, parce que toutes ces petites îles flottantes, comme tu as pu le dire, faut vraiment, voilà, on va
pas vraiment avoir le temps d'atterrir dessus. On va vraiment tirer le grappin pour être attiré vers ça. Et également, vraiment anticiper quand est-ce qu'il faut atterrir, quand est-ce qu'il ne faut pas atterrir. Il faut savoir que lorsqu'on atterrit sur une plateforme, notre grappin se recharge. Donc là, 3 tirs de grappin. Il faut quand même s'en garder un de sécurité. Parce que c'est, si vous n'avez plus de tir de grappin, vous direz « Mais non, mais c'est pas juste. Pourquoi je peux pas tirer de grappin ?» Ça peut arriver, donc toujours rester concentré. Et c'est là qu'on va récupérer les Rocket Boots qui vont également nous permettre d'aller encore plus loin, encore plus haut dans ce niveau-là. Absolument. Mais avant tout, il y a ce passage vertical qui a posé des soucis sur certains tournois précédents, qualificatifs notamment, où on avait eu des joueurs qui avaient galéré parce que voilà, notamment ce Edge Boost qui passe pas forcément bien pour tout le monde. Là, il arrive à récupérer donc tous ses grappins. Il est bien passé. Les ventilateurs qu'on va voir à plusieurs reprises. Là, on s'en sert juste pour s'accrocher. Enfin, comme c'est designé, comme le jeu a envie qu'on l'utilise. Donc jusque-là, pas de souci. Et là, on va atterrir à cet endroit pour récupérer nos boots. Et voilà, c'est du coup, on va pouvoir. Ça va vous permettre également de gagner en verticalité. Donc, lorsqu'on a quelques tirs de grappin, on va justement prendre la décision soit d'utiliser un tir de grappin ou soit d'utiliser les Rocket Boost pour aller plus loin. Et si je me trompe pas, il ne faut pas rester appuyé sur, sur la touche. Je crois que c'est espace de mémoire pour les Rocket Boost, sinon, on va moins loin. Magic communique avec vous, hein, c'est. Alors on a une oreillette dans notre combinaison spatiale. Exactement. Donc voilà, les moulins. Au final, les moulins, on a l'impression qu'ils peuvent être justement simples, mais. Non, parce qu'en fait, c'est compliqué de les prendre du bon angle, en fait. C'est ça. C'est toujours cette question de. Est-ce qu'on les prend ? Parce qu'après, la physique du grappin change fondamentalement, ou si on les prend vraiment sur le plat de l'aile ou sur les côtés. En général, on va plutôt essayer de prendre. Et là, il va les prendre au milieu. Au milieu pour vraiment. Edge boost ici. Ah, dommage. Et si c'est bloqué, malheureusement. Donc, je pense que pour le moment, là, il commence à légèrement se faire rattraper par Brotherman qui récupère ses Rocket Boots justement. On a vraiment une section qui est assez compliquée avec ces moulins. Il faut vraiment bien anticiper quand est-ce qu'il faut bien tirer au niveau du grappin. Là, ça va être bon. Voilà, on bénéficie de l'impulsion du grappin. Et c'est Bro qui, du coup, les récupère en premier. Merci le public. Maddy qui s'exclame de ces boots. Alors ces boots qui vont être utilisés à plusieurs reprises et qui offrent une grande possibilité et de grande liberté. On peut les utiliser pour aller plus loin horizontalement, plus haut verticalement. On peut les utiliser pour se sauver de situations où on a raté un grappin, enfin, ou alors on n'a pas la portée pour faire un grappin, donc on l'utilise pour gagner en hauteur. C'est vraiment un gadget, un couteau suisse presque, pour faire des skips ou se sauver. Oui, ça vraiment. On va voir la démonstration de ces Rocket Boots, notamment sur le niveau suivant. Tout à fait. Donc, Ice Cave, vraiment dès le début, ça va vraiment partir assez vite, assez haut. Justement, vu que le début est assez vertical. Et quand même, mine de rien. Passe des grosses sections avec cette roquette. Donc, on va utiliser cette roquette et à l'apogée de notre saut, s'approcher le plus possible pour avoir la portée pour ce grappin. C'est pas passé loin. Oh là là, ça s'est bien passé. Hein. Et donc là, on va se préparer pour cette séquence des ventilateurs où on a vu des échecs, et surtout les échecs sont particulièrement punitifs parce que c'est long et le checkpoint est quand même assez là, éloigné. C'est facilement une perte de 15-20 secondes facile. Donc, bon, ça a l'air de bien se passer, mais il a plus de grimpin, mais il a évidemment ses boots. Voilà, et du coup, il va atterrir sereinement. Donc, pas de soucis pour lui. Donc, du coup, avec ceci, j'ai l'impression que Brotherman a repris la tête de cette race. Donc, pour l'instant, il a été premier sur Cuphead avec un bon roundabout. Je pense qu'au final, pour l'instant, ça commence à faire des faux airs de grande finale. Mais est-ce que ça se joue vraiment ou c'est que des VOD? Ah, et qui sait? Allez, c'est reparti du coup. Brotherman, là, il va tenter dans pas longtemps, ou alors c'est à ce moment-là, pour le skip du village. Ouais, il y a plein de skips justement pour ne pas avoir la cinématique. Par la gauche, d'accord. C'est ça sa manière de faire, donc si ça passe bien pour lui, on va pas changer au dernier moment. Et voilà, mine de rien, ces tirs de grappin, on n'a pas l'impression que ça va passer. On se dit, je vais essayer, oh ça passe. Il y a plein de découvertes comme ça sur ce jeu-là. D'ailleurs, il me semble quand même qu'avant l'UD, le World Record était quand même déjà sub 28. Je crois que là, il a encore diminué, il doit être 27-31, quelque chose comme ça. Très bonne inertie, très bonne vitesse accumulée.
C'est pas un jeu qui vous donne énormément de possibilités de gagner une espèce d'inertie. Allez, que vous allez confirmer comme très bien joué ça. Quand on peut le voir sur Mirror's Edge. Mais mine de rien, des fois c'est possible si on maîtrise bien ses grappins. Et là, il nous a montré un gain de temps assez conséquent. Non, là, il faut recommencer par contre. Allez, c'est parti. Donc pour l'instant, bah, c'est mine de rien, c'est assez serré. Le jeu est smooth, on se dit pas. Ouah, mais ils sont super serrés, c'est absolument incroyable comme un Metal Slug ou un Cuphead. Metal Slug, oula, que nous juste après. Mais ouais, Story Point Munkle, mine de rien, ça passe. C'est tout, ça passe. C'est ça, faut se laisser porter par le flow du jeu. C'est. Allez, bon, c'est okay. Exactement ça. C'est ça. Qui va arriver en premier, qui a juste à attendre avant d'aller sur cette cinématique qui, elle, n'est absolument pas skippable puisqu'elle nous emmène au dernier niveau. Oui, le véritable dernier niveau. Mais après, voilà, le tout dernier niveau, il y a quand même un skip qui va être assez redoutable. Ah oui, c'est... Pour l'instant, on voit le... Faut être concentré. Exactement, on voit le pêcheur. C'est le fameux pêcheur. On sait pas ce qu'il pêche dans ces eaux-là, justement, vu qu'on est quand même au-dessus des nuages. Donc je me demande qu'est-ce qu'il peut pêcher. Des pigeons qui passent par là, peut-être. Ah, mais c'est vrai que pigeonnier, c'est une vocation, c'est effectivement. Donc pour le moment, mine de rien, Super Ingot ne démérite pas, il continue à rattraper progressivement son retard. Mais voilà, donc là, c'est vraiment l'instant un peu... On peut discuter avec son chat lorsqu'on est dans cette cinématique-là. C'est ça, prendre un petit café. Le petit café, je pense qu'on a même le temps de cuisiner justement... Peut-être un œuf dur, justement la cinématique qui nous fait office de timer. Ok, hop, on récupère. Ah, merci Maddy de cette intervention. C'est un jeu qui a globalement reçu cette remarque positive, bon, qui ensuite s'est transformée plutôt en espèce de dépit, mais ces pauses sont une occasion pour les streamers et pour ces joueurs qui souvent streament leur essai sur Twitch, de parler avec leur chat et d'interréagir, là où certains jeux c'est vraiment impossible littéralement. Effectivement, on n'a pas une seconde à nous, c'est vraiment prendre le temps. Donc, ouais, prendre le temps d'avoir le temps. Exactement. C'est belle phrase, justement. Prendre le temps pour le temps. Et puis, on peut discuter. On peut. Voilà, c'est vraiment le jeu smooth. C'est après un gros jeu comme Cuphead qui a été vraiment assez agressif. Là, c'est le moment où on se repose un peu. Mais vous inquiétez pas avec Metal Slug qui sera juste après. L'action reviendra au grand galop. C'est ça, et ça va être intéressant de savoir comment ils gèrent cette différence de rythme entre les deux jeux qui vraiment tout oppose. Hein. Ah bah c'est clairement assez différent. Allez, c'est parti pour... Allez, Bro est le premier à s'échapper, 20 minutes 50, donc en timer de repère si vous voulez voir à peu près où est-ce que les autres en sont lorsqu'ils commenceront le niveau. Donc là, on rentre dans un niveau, donc les Ice Cave, qui pareil, hein, relativement contemplatif, avec des décors là plutôt axés sur la glace et le froid, hein, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Et, mais toujours... même si là c'est quand même plus le cas, une impression de liberté. Là on commence avec ce tout premier skip, on va directement aller chercher avec ses rocket boots ce premier rocher et essayer de s'expulser le plus possible avec ce edge boost vers le haut. Même si, alors... Non, il préfère la sécurité, justement, c'est réatterrir sur le rocher pour recharger ses coups de gravin, parce que, mine de rien, cette ascension, elle a coûté assez cher à pas mal de joueurs. Oh, il va falloir réutiliser le grappin se restabiliser. Voilà. Très bien joué. Allez, voilà. Il enchaîne avec les roquettes. Oui, ça s'applaudit, ouais. Ici, on prend une petite pause. Concentré. Et là, mine de rien, on vient de skipper plusieurs minutes. Hein. Oui, parce que je pense que lorsqu'on fait le jeu la première fois, en fait, on passe pas du tout par là. On arrive à une section avec des cubes qui tombent, etc. Presque dommage de pas le voir dans le speedrun, pour le coup. Ouais. C'est vrai, mais je pense que peut-être s'il y a un 100% du jeu, se dire on va aller là-bas. Mais je pense que celui qui tente ça... est un fou, mais il y aura du respect quand même pour tenter cette aventure du 100% sur A Story About My Cup. Du coup, un 50% du jeu, 50% de cinématique. Oui, c'est comme ça, c'est coupé en deux, tu vois, il y aura deux leaderboards, c'est un full cinématique et un full action, on peut commencer à mettre en place tout ceci. Allez, ici, là aussi, on sort un petit peu de ce qui est prévu par le jeu. Allez, c'est parti, donc pour l'instant ça se passe très bien. Et là évidemment une chute de plusieurs kilomètres sans aucune séquelle, c'est notable je pense.
Ah bah c'est la magie de la combinaison, justement, elle est faite pour ça, ça nous permet de nous envoler avec nos coups de grappin, c'est, on fait une chute de 1500 mètres, on a les pieds comme si on avait fait une petite chute de 2 cm, hein, mine de rien. Donc bah c'est là, voilà, là en l'occurrence, on aurait juste les genoux totalement pétés, mais non, pas du tout. Le corps général, je pense, le corps en général exploserait. Dissous, point. Voilà. Mais ce qui est pas si loin hein, de Brother Main et qui tient, d'autant qu'il reste encore certains passages relativement critiques. Brother Main est sur la partie extrêmement verticale avec des interstices dans lesquels il va falloir se faufiler et surtout ne pas taper. C'est le gros problème des parties verticales dans ce jeu, c'est de ne pas se fracasser la tête contre des plateformes. Justement, voilà, ça va nous décaler. C'est un peu au final comme les Edge Boost. Si on n'est pas bien positionné, on est trop décalé. Donc là, ça, pour l'instant, ça se passe plutôt bien ça pour Bros en main. Plutôt bien pour Bro et pour Mel West aussi. Regardez, qui arrive à se faufiler ici. Donc, vu comme c'est parti, il y a bien possibilité de faire au moins, je sais pas, deux sub 30. Hein, pour rappel, en dessous des 30 minutes, ça fera les 200 points. Donc, en chez 200 points en début d'ultime finale, ça pose les bases. C'est ça. Bah, c'est, ils sont bah, déjà, on se qualifie pas en ultime finale comme ça. Hein, ils sont arrivés, ils sont surentraînés. Allez, le pillar skip ici, allez, où il va falloir prendre appui sur quelque chose, sur ce qui n'est pas une plateforme. Enfin, c'est une plateforme, mais le jeu, c'est pas prévu tout simplement. Et voilà. Il s'est très bien rattrapé. Bravo! Parce que la trajectoire, a priori, n'était pas vraiment la plus optimale. Exactement, donc pour le moment, là, on va progresser dans le niveau. On va également avoir une petite mécanique à base de cristaux qui nous permet de recharger nos grappins. Ce qui fait qu'on va passer beaucoup, beaucoup plus de temps en l'air et on n'a pas besoin d'atterrir systématiquement. Mais par contre, se recharger ses coups de grappin, ça consomme un coup de grappin. Comme, expliqué comme ça, ça n'a pas l'air clair, mais il faut vraiment... Pas utiliser le dernier coup exactement, de grappin c'est, faut toujours si en c'est avoir. Pas pour le recharger. C'est ça, exactement. C'est, dites-vous bien, vous en utilisez toujours deux. C'est ça. Vous en gardez un pour dire c'est ma réserve, on verra bien ce qui se passe. Mais ouais, c'est surtout faire attention à cela. Et je pense qu'il est plus très loin de la cinématique. Non, il est plus très loin, c'est ouais. Juste au bout. Là, c'est après le pylône que vous voyez à gauche. Ici, il y a quand même le cristaux pour recharger. Il en a même pas besoin. Ici, celui-là, il utilise. Voilà. Le long jump, même pas. Ah, ouais, les rocket boots pour restabiliser. Voilà, et c'est parti pour une section qui peut s'avérer traître. Hein. C'est là où on se laisse tomber. C'est ça, et c'est surtout que c'est punitif. C'est-à-dire qu'on a vu globalement un taux de réussite très très élevé sur cette section parce que voilà, c'est quand même relativement tranquille. On se laisse un peu porter par le jeu, mais ne pas manquer d'attention. Ne pas laisser justement trop porter par le jeu. C'est, au final, c'est peut-être un passage plutôt piégeux. Le jeu pense que vous allez vous laisser vous reposer, aller. Mais en fait. Voilà, bah non, voilà. C'est. Bah c'est les cristaux qui sont quand même posés, on va dire, un peu de manière stratégique au final. Bien sûr. Alors ça se trouve, le développeur s'est dit je vais le mettre là, et puis ça fait joli. Donc, Allez, le rocket boots qui est utilisé. Ensuite, il va falloir courir et utiliser ce rocket boost donc sur la fin, côté bro, pour skipper le plus possible. Maintenant. Pour ne pas toucher le sol, parce que sinon ça va nous faire marcher tout le long, et ça fait perdre beaucoup de temps. Ouais, attention. Il gagne, ouais, c'est bon. Et il atterrit pile devant long top, voilà. 26 minutes 05, et à partir de là, ce qui était calculé, c'était à peu près 4 minutes. Voilà, donc on est sur du 30 minutes 05, on verra sur la fin, parce qu'il y a le dernier niveau et le fameux skip. Attention. Mais en tout cas, on a pu enfin retrouver notre oncle, hein, donc c'est lui, tout simplement. Donc Mel West, pas loin. Des villes Tifa qui également pas trop loin de Melwest, il va bientôt je pense attaquer la dernière section du jeu. Ouais. Super Nigod. Super Nigod de Pillar Skip quelques dizaines de secondes plus tôt. Mais ouais, c'est. On va voir comment il se débrouille ici pour accrocher ce pylône. Non mais au final voilà, c'est il a quand même bien tenu. Mais sûrement. Ici on prend appui, on ressaute. Ok, boost. Oh ouais, c'est beaucoup plus clean. Alors attention, oula, c'est ça bon. Passe bien. Ça passe, nickel. Avec beaucoup plus de distance, beaucoup plus d'airtime. Ça fait perdre du temps, mais c'est plus safe. C'est en bon journée dans ce genre de jeu. Plus on passe de temps en l'air et plus on perd de temps, justement. Donc faut pas trop aller en l'air, justement. Donc David Chua qui va attaquer la dernière section avec les cristaux. Donc je dirais qu'il va il va retrouver son cher oncle, enfin l'oncle du perso du jeu, hein, bien évidemment. Donc je dirais dans environ peut-être une petite minute, quelque chose comme ça. Donc voilà, cette section, pardon, avec ces cristaux qui vous laissent porter. Pendant ce temps-là, Mel West a atteint son oncle. Super Lingod qui retrouve les cristaux. Attention. Ouais, qui utilise
D'accord, c'est par contre cet angle caméra était assez curieux pour le coup pour Spring God. Ah, j'ai l'impression qu'il revient en arrière, ou alors c'est juste l'angle de caméra qui est un peu en train de me rendre confus. Il faut aller tout droit là. Oui, en fait, à mon avis, il était un peu en peine. Il s'est dit, je vais utiliser Rocket Boots pour justement ne pas tomber et reprendre dans un checkpoint assez éloigné. Donc, bonne décision de Spring God, justement. Il a préféré revenir. David Tifa qui ramasse tous les cristaux parce que, évidemment, l'argent qu'on ramasse dans le jeu, on a le droit de le garder après la run. Dans notre PC, on a un compartiment avec quelques cristaux. C'est du Bitcoin. Exactement. Le Bitcoin, c'est... au final, ouais, le jeu, je crois qu'il est sorti en 2012, quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est inspiré du Bitcoin qui était en 2008, au final. Ou peut-être sorti avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que tout est lié. Et donc, voilà, troisième cinématique, pour l'instant, ouais, c'est... Les renards, à la limite, peuvent se lever, se dégourdir un petit peu les jambes ou quelque chose comme ça. Oh bah là, ça va faire maintenant 2 minutes 30 que Brother Main attend. Et il va enfin pouvoir retoucher à son clavier ou sa manette. Non, alors, ce n'est pas une cinématique. Hein, il va falloir jouer. C'est Spring God qui fait exactement ce qui a été fait. C'est même plutôt mieux passé. Il a fait un Rocket Boost très bien joué. Il n'a pas eu besoin d'anticiper. Donc maintenant, on peut patienter. Justement. Mais c'est bien parce qu'ils sont arrivés à des timings relativement différents. Donc on va pouvoir admirer tour à tour comment est-ce qu'ils vont passer ce niveau de fin. C'est parti, Brother Main qui s'élance. Donc on retrouve le même panorama qu'on a eu au début. Allez, c'est parti. Allez. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième marche. Pour le moment, ça se passe bien. Le virage à droite, la corde qui est très très bien négociée. La rambarde que l'architecte aurait pu enlever pour faire gagner du temps. Mais c'est pas grave. On passe à droite de la table. Très très important. Attention, le skip qui arrive, le skip d'un bot en carton. Nous sommes en France, absolument à Fougères. D'ailleurs, je me suis vu sur la map. Allez, le carton skip, il arrive, il l'a zoomé, il le sait, c'est déterminant, il va falloir sauter. Il sait qu'il est là, attention, le saut, et ça passe. C'est le skip le plus impressionnant de la run, hein, je tiens à signaler. Absolument. Et le dernier escalier. On voit. On allait se faufiler dans le sas final. En moonwalk, A story about my Michael Jackson. Exactement. Et c'est terminé environ 30 minutes 20 pour Brother Main. C'est Mel West maintenant qui s'élance pour ce carton skip. Attention, il l'anticipe un petit peu moins, il ne fait pas de zoom. Non, il ne fait pas de zoom, mais il sait regarder, il pourrait le faire, les yeux bandés, Mel West. Et ça passe. Attention, est-ce qu'il va prendre la décision de faire le moonwalk? Oh, il a marché sur l'arme, sur le tiroir, incroyable. C'était prévu. Et attention, non, au final, non, c'est, il renonce à quelques points de swag, donc malheureusement, c'est... Et c'est terminé pour Mel West. Il se faufile vers la fin. Fin du game. On va voir comment se débrouille. Il me semble que c'était Devil Tifa, le prochain à partir. Donc, a priori, avantage de style, je dirais, à Mel West, qui a pris une trajectoire un petit peu plus optimale, mais rattrapé par le moonwalk de Brother Main. Donc, on va voir ce que nous propose Devil Tifa pour cette dernière section. Avant de voir justement ce que va faire Devil Tifa, je pense qu'également on peut demander l'avis du public après le passage de Devil Tifa pour justement qui mérite ses points de soi, qui mérite ses points de charisme sur la fin de la run, tandis que Devil Tifa se rapproche progressivement. C'est long qu'il lui avait manqué. Voilà, vous savez maintenant à quoi il ressemble de face. Parce que je pense pas qu'on ait eu l'occasion de bien le voir. À votre droite, vous pouvez admirer la carte du monde. Exactement. Avec une grosse croix écrit Fougère, donc qui était justement, c'était déjà prédéfini que l'ultifinal aurait lieu ici. Le saut. Est-ce que ça va être plus fluide? Oh oui! Ouais. On n'a même pas eu ce petit moment de stop qu'on avait eu avec les deux autres. Devil Tifa et le moonwalk, pour terminer. Est-ce que c'est la fin le moonwalk? Oh là là! Devil Tifa qui la prend, une large avantage. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de demander au public. Est-ce que vous êtes d'accord, Devil Tifa? C'est lui ou pas? Et le vainqueur, et c'est Super Lingot qui s'élance en dernier. C'est bien, ça s'enchaîne très bien. Lui.
C'était planifié, c'est bien au moins si on n'a pas à attendre une nouvelle fois un générique ou quoi que ce soit. Allez, Super Lingod, qui pour l'instant s'approche de manière classique, il regarde ce qui se passe. Il regarde les instruments, il regarde la carte du monde. Oh, une chaise pour papa. Une chaise incroyable. C'est ça. Oh là 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 là, le moonwalk. Il va faire le carton skip à l'envers. Le carton skip à l'envers, peut-il le faire? Attention, attention. Le carton skip à l'envers. Il le fait, ouais. Il le tente. Non. Il peut pas. Il vient de se rendre compte qu'il peut pas sauter à l'envers. C'est dommage. Mais on peut au moins noter quand même la prise de risque de Super Lingod. Au moins, allez, l'escalier en moonwalk, ça devient un classique. Ou peut-être juste... il va monter l'escalier sur le côté pour... Oh là là! Oh là là, c'est tellement avant-gardiste! Oh, regarde! Il fait oh tout. Là là oh, là il là fait là des là! Et finit à l'avant-gardisme! Et c'est voilà. Terminé pour Story About My Uncle! Quand on a forcément on est sur une scène, il faut faire des choses extraordinaires. C'est ça. Des choses ordinaires de manière extraordinaire. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Vandal, pour le commentaire de A Story About My Uncle. On te retrouvera à 3 autres occasions dans ce week-end. On te retrouvera sur Trials 2 et 2 autres fois demain également. Merci beaucoup, Vandal, que vous pouvez applaudir. On va accueillir LF, hein, qui va se préparer pour le commentaire du prochain jeu qui sera Metal Slug. Et en attendant, on va évidemment regarder les résultats, sachant que avant A Story About My Uncle, Bro était premier, deuxième Super Lingod, troisième Tifa, quatrième Mel West. On va voir si les places se sont inversées à la suite de cette épreuve. Donc le résultat de l'épreuve Kouchas. On va avoir un Brother Main qui forcément va consolider sa première place avec une excellente performance en 30 minutes 17. Une nouvelle fois, 2 races, 2 victoires, 407 points. Il totalise une quinzaine de points même, en fait, oui, une quinzaine de points. Devant Mel West qui a repris la deuxième place. Donc, il passe de 4 à deuxième. Donc, ça fait 300... Effectivement, oui, pardon. Donc, 382 points. Devil Tifa, juste en dessous, 10 points en dessous. 372 et Super Lingod qui était deuxième. La chute après cette petite contre-performance, mais relativement raisonnable, puisqu'il est seulement à 5 points de Devil Tifa, autrement dit rien. Tout à fait. Là, il y a LF qui nous rejoint, et du coup, on te retrouvera tout au long de la journée, Kouchas, pour prendre quelques mots des runners, justement. Absolument. Quand ils seront set-up, si on peut avoir un ou deux mots à. Ça pourrait être intéressant. Comment vas-tu, LF? Eh ben très bien, on a déjà un bon spectacle. Deux jeux assez riches qui nous ont été présentés. Un Cuphead qui a été vraiment impressionnant. Et un Samu toujours aussi sympa à voir, avec des skips qui sont assez risqués. Lingod a payé un petit peu cher au début, il s'est bien repris après. Bah c'est clair, j'ai eu un peu peur pour Lingod, qui a fait un très mauvais départ, évidemment qui termine quatrième, mais qui a su résister, rester lucide. Et en fait, il avait perdu genre une minute ou deux au départ, et il l'a gardé, et l'addition n'a pas été plus lourde. Et c'est très très dur de faire, toi qui as beaucoup runné de jeu, être derrière dès le début, parce qu'on a raté des trucs, tu sais qu'il y en a encore pour 25 minutes, tu te dis oh là là. Ouais, tu payes la facture tout de suite, mais voilà, c'est une bonne chose qu'il ait pu justement garder ce mental fort et ne pas continuer à se faire distancer. Et ça se voit que voilà, il avait gardé une bonne mentalité, puisque même à la fin du jeu, voilà, il continuait à s'amuser, à créer des swag points sur la fin, et peu importe s'il perdait quelques secondes, voilà, c'était vraiment l'esprit fun. En tout cas, la prochaine épreuve, c'est Metal Slug. Toi, c'est un jeu que t'as bien aimé cette saison? Ouais, j'ai beaucoup aimé, oui. Et juste avant là qu'on regarde le clip, là, je regardais un petit peu les PB des runners, qu'ils avaient fait du coup pendant... Ils ont tous des gros PB, mais on a remarqué que souvent en race quand même, les gens... c'est un jeu difficile, les gens sont souvent 10, 20 points derrière leur PB, enfin surtout peut-être à cause du boss de fin ou de la dernière ligne droite. Oui. Et en tout cas, c'est un jeu à la grande finale. On avait eu plein de gens à faire. Il y a eu Tifa qui avait été en difficulté, mais les autres avaient eu un score relativement homogène. On avait même eu un PB all-time de Bro, un PB race de Super Lingod, un PB race de Mel West. Oui. Aura-t-on autant de chance? Je sais pas, je l'espère. J'ai un peu peur pour du côté de Brother Main, justement, parce qu'il avait fait 30 secondes de PB, ce qui n'est pas rien, c'est 10 points. Mais c'est quelqu'un qui il s'est entraîné, il a vu...
il a eu toute sa saison pour s'entraîner. Il a vu qu'à la grande finale, ça fonctionnait bien. Il va rester sur la même longueur d'onde, je suis sûr. Et les autres runners savent comment appréhender le jeu. Ils ont juste voilà, à respecter bien les niveaux, ou pas d'ailleurs, ou ne pas respecter les niveaux, et bien gérer justement tout ce qui est accumulation des items, les bombes. Et on va pouvoir voir ça tout de suite après, justement. On va se regarder le clip de Metal Slug. Et juste après, on essaiera de recueillir un tout petit mot sur place d'un runner pour voir un petit peu l'état après de jeu. Le clip, et on se retrouve juste après. Pour Metal Slug, on voit donc les PB des joueurs. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot de nos deux personnes qui sont en tête, par exemple? Ça serait sympathique, un petit mot. Du coup, et en attendant, je vous donne les... donc là, vous voyez les PB grind, comme indiqué ici, avec un petit avantage pour Mel West, même si finalement c'est un avantage. Souvent, on a vu qu'en race, ça se traduisait pas forcément par une grosse avance, en fait. Non. Si on a le malheur de se louper dans le dernier niveau du jeu, on peut attraper tout de suite une minute de retard sur le boss final. Ça peut fortement nous pénaliser. Donc les PB que vous voyez là, justement, les PB grind, ça veut pas... Enfin, on va pas dire que ça veut rien dire. Ce serait mentir. Mais voilà, on peut l'indiquer comme un facteur confiance finalement sur le jeu. Mais c'est le PB race qui vient vraiment. Importé. Bah sur le PB Race, justement, on a Mel West qui a 12-19. C'est celui qui a... Non, c'est 12-18. C'est Tifa qui a fait le meilleur PB Race. Je crois que c'est un très vieux tournoi. Parce que Tifa avait fait une petite contre-perf à la grande finale sur ce jeu. Et c'est vrai que là, il y avait eu des PB Race dans tous les sens sur Metal Slug. On leur souhaite autant de chance, en tout cas autant de réussite. Le jeu sera en médium. C'est un jeu qui a l'avantage d'être extrêmement facile à suivre pour les néophytes. Du coup, on recueillera plutôt un mot juste après, du coup, juste avant la pause, vu que là, je ne vois pas Kouchas, je ne sais pas où il est parti. Et donc, le clip, on l'a déjà vu, donc du coup, la race va démarrer dans quelques instants. On va faire le compte à rebours avec vous. Attends, on n'a pas demandé aux runners s'ils étaient prêts, pardon, levez la main les runners. Si vous avez un petit pouce pour confirmer que vous êtes prêts, allez, ça va bientôt se lancer. C'est bon, pardon. Et c'est parti pour Metal Slug, donc un jeu d'action plateforme qui est sorti sur borne d'arcade en 96 par SNK Playmore. On l'a vu après sur la Neo Geo. Ça a été une série voilà, très très connue, où justement c'était vraiment un gouffre à pièces. Et ouais. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que c'est vraiment un jeu très typé arcade, vraiment comme tu disais, le bouffe pièce, la borne. Et là en speedrun, fondamentalement, alors évidemment, mourir ça fait toujours perdre du temps, mais là notre priorité c'est aller le plus vite. Donc déjà, on va quasiment rien tuer, il faut savoir que la plupart, donc c'est un jeu en scrolling comme vous le voyez en 2D, avec une petite dimension plateforme, elle est très très légère. Mais la plupart du temps on va sauter car on va beaucoup plus vite quand on court. Et voilà, on va juste tirer, courir, balancer des grenades, économiser, et ça va être justement, LF peut-être le plus déterminant, c'est la gestion des ressources. Oui, tout à fait, deux choses qui sont hyper importantes, ça va être voilà, de pousser le scroll jusqu'au bout du niveau pour atteindre le boss de fin. On voit qu'ils ont atteint le boss de fin de niveau 1 voilà, très rapidement, parce qu'ils ne se sont pas embêtés à tuer tous les ennemis, ils ont voilà, juste fait en sorte de ramasser 10 grenades sur leur chemin pour terminer le niveau.
et faire défiler le scroll. Voilà, ils s'embêtent pas à tuer les ennemis qui sont derrière eux ou leur jettent des grenades si c'est obligatoire. Et voilà, dès qu'il y a un écran qui est bloqué où il faut tuer tous les ennemis, ils apprennent les patterns des ennemis pour pouvoir voilà, sortir du scroll très rapidement. Mais l'OS qui fait ça voilà, très très bien. C'est vrai qu'il y a des fois le scrolling qui est bloqué, et là effectivement il faut savoir quoi tuer, ça c'est de la connaissance. Alors si vous connaissez pas le jeu, c'est forcément évident, mais en général c'est les ennemis qu'on va essayer de dégommer, oui. Évidemment. Voilà, une autre partie de scrolling bloquée là avec ces bateaux, il faut essayer de les éliminer le plus rapidement possible. On voit Melwes qui touche pas tout de suite au bateau, il attend qu'il soit bien rentré dans le scroll, et lui balance tout de suite toutes ses grenades et toutes ses roquettes. Pour justement voilà, permettre au scroll de continuer à défiler. Il ramasse un shotgun, donc c'est l'arme la plus puissante du jeu. Ouais, ça fait beaucoup de dégâts. Je pense que quand on parlait de gestion de ressources, en plus des grenades, ça va être aussi choper des armes spéciales. Il faut savoir quand on chope une arme, quand on meurt on la perd, hein. Faut imaginer, c'est pas parce qu'on l'a qu'on la garde vaille que vaille. Donc après ne pas perdre sa vie, sachant qu'on a qu'un seul point de vie, donc on meurt immédiatement, on revient. Ouais. Très propre là, cette progression de Melwes. Il va enchaîner le boss, deux bombes, un coup de shotgun, trois fois de suite. Et puis voilà, il arrive à se défaire du boss très vite. Et il va pouvoir enchaîner tout de suite sur la fin de niveau. Pour l'instant, Melwes il est à 382 points, il est deuxième. C'est pareil, il avait commencé bien, mais en demi-teinte lors de la première journée de la grande finale. Et pour l'instant, deuxième, un bro qui est vaillant, qui est premier. Qui est vaillant, comme à la grande finale, Et Melwes qui va arriver sur le boss, on va voir qu'est-ce qu'il va lui faire, s'il va chercher à lui bourrer toutes les grenades, ou simplement, en plus, il a un pattern favorable avec cette plateforme qui monte, il va pouvoir tout arracher, voilà, directement. Il le bourre bien, à quelques petites pertes de grenades, mais rien d'important. Il finit avec encore quelques grenades et coups de shotgun et ça passe voilà, bien. C'est bon. Ah, Tifa qui meurt sur le boss. Heureusement, il l'avait pas mal touché, donc normalement, il va pouvoir le down tout de suite. Voilà, c'est fait pour Tifa aussi. Super Lingot qui est en train de fermer la marche. Voilà, maintenant, ils sont à quelques secondes d'écart, peut-être 10 secondes, mais détrompez-vous. 10 secondes, c'est déjà 3 points, donc il faut rien lâcher. C'est parmi les jeux les plus punitifs qui est au Décathlon de cette saison. Ouais, elle a un niveau un peu plus vertical, donc c'est souvent dans beaucoup de jeux des niveaux un petit peu plus compliqués. Ah là, voilà, c'est un niveau avec un scroll vertical, justement. C'est un jeu où attaquer là-dessus, voilà, on se fait punir tout de suite dès qu'on perd quelques armes, on n'est plus habitué. Il va balancer quelques grenades sur cet avion pour pouvoir justement permettre à cette plateforme de descendre. Il va monter sur la plateforme pour pouvoir se suicider, comme vient de faire Brotherman qui repasse en tête d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'il est mort deux fois ici, Melwes, donc. Perdu un petit peu de temps, on va essayer de remonter tranquillement. Quand on perd une vie, donc on revient juste avec l'arme de base et 10 grenades. Quand on, par contre, on revient avec un continu, on a une arme un petit peu plus puissante, donc ça peut être sympathique d'avoir ça en tête. Ouais, tout à fait. Donc on arrive sur Igor. Igor, qui on aimerait qu'il soit pas sur les plateformes du milieu, parce que pour le battre, c'est vraiment très compliqué. Là, on voit que voilà, Bro maîtrise bien les patterns. Attention, voilà, c'est très bien fait. Très très bien fait, pas de mort. Voilà, la Melwes beaucoup moins efficace à la GF, il l'avait tué au couteau très rapidement de mémoire. Là, on sent que c'est plus compliqué. Allez, les différences de setup, parfois ça peut vous poser quelques problèmes. C'est fait pour Melwes. Brotherman qui est bloqué sur ce scroll, on a la possibilité de le skipper complètement si on se débrouille bien. Mais là, ça, voilà, il s'est un petit peu fait avoir. Il va faire le skip, il va tuer les tanks. C'est important de tuer les tanks à la grenade pour ne pas déclencher le pattern de fin où le soldat sort. Ça fait gagner quelques secondes. Et attention, Melwes qui enchaîne les morts tout de même. Il faudrait pas qu'il se déconcentre. Restez bien axé sur son jeu. Et voilà, c'est encore la première journée. On en est qu'au troisième jeu. Restez sur une dynamique voilà, positive. Oubliez les jeux qui sont passés pour pouvoir enchaîner. Et voici le véhicule qui donne son nom à l'essence, faisant le Metal Slug, le Slug. Cette espèce de tank qui permet de sauter, donc c'est quand même une techno quand même vraiment pas mal. Ah oui, on peut tirer un petit peu partout, on peut en même temps balancer ses gros tirs. Un véhicule qui est très important parce qu'on se fait toucher, on meurt tout de suite, et alors que là, bah, c'est pas le cas avec le Slug. On a droit de se prendre deux hits, et par contre le troisième, le Slug est détruit, il faut en sortir. Très bon boss chez Melwes qui a dépassé Bro alors qu'il est mort plusieurs fois sur le niveau. Non, Tifa. Ah pardon. Tifa, ouais, qui du coup est pas mal. Hein. Il est vraiment très très bien parce que Tifa, il est troisième à 372 points. 10 points derrière Melwes et mine de rien, à 1 point toutes les 3 secondes. Car on rappelle, hein, pour ce jeu, ça va défiler excessivement vite.
ça va être 17 minutes le temps max. À 17 minutes, on vous donne 100 points. Et à 12 minutes, vous avez 200 points. C'est un point toutes les 3 secondes. C'est souvent un jeu qui a été relativement décisif en tournoi. Donc là, Tifa, il peut remonter. Allez, faut pas lâcher. C'est vrai que là, sur cette section, j'ai eu Dieu que pour Mel West. Mais vous pouvez l'encourager. C'est un boss qui est très difficile. Hein. Voilà, bien joué Mel West. Niveau 4, niveau qui est beaucoup plus facile quand on le fait en speedrun que de manière casu. Il va être complètement anecdotique ici. Hein. Ah bah c'est ça, on saute. Oula, ah attention là, là. Il a frappé au couteau sur les tours. Quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué. Il a perdu son shotgun, donc ça va être un petit peu plus difficile d'optimiser le boss de fin de niveau. Il va se faire rattraper un petit peu sur ce boss, je pense. Oui, c'est possible. Attention à ce missile voilà. Ouais, qui arrive du tank du haut. Donc là, il va falloir bourrer les grenades sur un des deux tanks pour l'éliminer rapidement. Super Lingod, lui, qui du coup est un petit peu mieux armé. Mais qui va peut-être passer devant Tifa. Super Lingod qui voilà, conserver ses armes, qui passe devant David Tifa. Ouais, comme quoi les boss sont méga importants. Ah oui, la gestion de l'inventaire, la gestion de nos ressources. Il y a deux personnes qui sont passées du coup devant. Mm. Très légèrement. Ils sont parfaitement synchro par contre. Hein. Oui. Ah oui, ils sont à la frame. Bro Super Lingod. Et Melwes qui se défait du boss, qui rattrape un petit peu Tifa aussi. En fait, c'est tellement, comme tu fais que sauter, on pourrait presque croire que c'est dupliqué. Parce que lui, ils font saut, c'est timé de la même manière, c'est assez fou. Ouais, c'est vrai, c'est un jeu qui est très, très optimisé. Le record du monde, c'est Tsukimos qui l'a en 10 minutes 36, qui est un temps qui est vraiment incroyable. Et petite mort là pour Bro. Heureusement, c'est sur la première partie du niveau, il va avoir de quoi se recharger. Voilà, en détruisant ce mur là, il va pouvoir choper le slug. Il va être un petit peu plus long pour détruire le mur suivant, mais ça va aller. Et il va pouvoir attaquer le boss tout de suite après. Un boss qui est assez spécifique. Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que là, bon, là, ça rappelle évidemment, même si Anachronique, nous dans l'UD, on avait fait un autre jeu de cette licence Metal Slug, qui était Metal Slug pendant la saison 3. Et c'était du coup à peu de choses près le premier boss. Et du coup, c'est assez emblématique pour les runners qu'on fait les deux saisons. Enfin, c'est toujours sympathique. Fait. D'ailleurs, c'était un boss qu'ils avaient refait, qu'ils ont repris de Metal Slug X de Metal Slug classique pour le mettre dans le X à la base dans le Metal Slug 2. C'était pas celui-là. Et Super Lingod, pas mal là. Du coup, il termine le boss en premier, sachant qu'il est pour l'instant dernier de cette ultime finale à 357 points. Ça, s'il peut remonter un petit peu, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein. Ouais. Qu'il y ait un gros peloton au centre. C'est lui qui aborde le dernier niveau en premier, c'est un niveau qui est particulièrement important, justement, comme on en a parlé pour la gestion des ressources. Il y a un skip ici, là, pour le scroll, et ça s'est très bien fait. Et on considère généralement, peut-on dire que par exemple, un tiers du speedrun c'est avant le 6, le deuxième tiers c'est le 6, le troisième c'est le boss. Oh oui. Donc c'est pour ça que rien n'est joué, ce dernier niveau il est extrêmement long. Il y a un auto-scroll à un moment avec des ennemis à tuer, à un moment il faut survivre. Et un boss de fin absolument long qui peut bien ou mal se passer selon les ressources qu'on a. Ouais. Il a réussi heureusement à vaincre le troisième avion, sinon il aurait dû se taper une autre fois la vague d'avion, donc ça aurait été problématique. Il a débloqué le shotgun, ne le prend pas tout de suite, c'est une décision sage, comme ça il va pouvoir justement clean l'écran et entamer la deuxième partie du niveau sereinement. Là, c'est ça, économiser. Les objets ils disparaissent pas si vite, donc on peut en mourir et on peut vraiment temporiser. Quoi. Ouais. Brotherman qui est aussi à une partie de scroll, enfin d'écran qui est très difficile, il va devoir aborder la deuxième partie du niveau sans le shotgun. Donc il a un heavy machine gun pour pouvoir compenser. Allez, voilà le boss de fin. La petite scène, ça c'est une mini cinématique. On se fait avoir une fois de plus. Et on descend sur ce last qui est le plus long auto-scroll du jeu. Avec quand même des gains de temps possibles. Regardez, il y a des ennemis à vaincre de manière nécessaire. Oui, tout à fait. Ces vagues d'avions là qu'on voit chez Super Lingod là, qui envahissent l'écran. Plus ces avions font des vagues, plus on perd du temps. Donc c'est assez punitif en plus. Voilà, il a détruit les trois avions. C'est une très très bonne chose qu'il a fait. Il a juste à éliminer cet ennemi en plus. Et ça sera parfait. Par contre, il a pas réussi à débloquer le shotgun, j'ai l'impression. Il s'est fait un petit peu avoir par le scroll. Ce qui fait qu'il va devoir aborder déjà le boss de fin sans shotgun. On dirait pas comme ça, on est une minute avant d'arriver au boss, mais c'est déjà une grosse punition. Ouais, c'est clair, ça va être un différentiel de DPS. Parce que
Déjà, avoir un plus gros DPS, évidemment, va tuer le boss plus vite, mais ça minimise les risques qu'il fasse ces phases horribles. Donc plus on le tue vite, plus moins il y a de chances du coup qu'il fasse les phases où il est intouchable. Ouais, tout à fait. Super Lingot qui prend pas le temps de prendre le slug, contrairement à Devil Tifa qui joue, décide de la jouer plus safe. Je vais plutôt dans le sens de Devil Tifa qui justement prévoit des backup strats. Alors malheureusement, là, il meurt, il perd 24 bombes en évitant les avions. Il a pris un missile. Là, c'est Super Lingot du coup qui économise assez bien de les garder vraiment pour le boss de fin. C'est vraiment décisif. On peut perdre 30 secondes, 1 minute. Super Lingot, il a tout là. Il a plus qu'à se, ouais, c'est là, qu'à se ramasser. Mais pas, surtout pas mourir par contre. Ça va être les frames d'invulnérabilité. Allez, on les ramasse quand même, ces petites grenades. Il a 40 bombes pour l'instant. 40 bombes, c'est très bien. Il y a deux autres otages qu'il va pouvoir sauver pour ramasser 20 bombes supplémentaires. Attention à l'avion, l'hélicoptère qui va débarquer là. De pas mourir dessus. Et comme ça, il sera tranquille. 50 bombes, 60 voilà. Bombes pour aborder le boss de fin. C'est très bien, vous pouvez l'encourager pour le boss de fin. Oh, il a eu quelques difficultés sur cet ennemi là. Et c'est Melwes qui finalement lui se retrouve, c'est quand même incroyable, il était dernier et là il est remonté, on voit qu'il a balancé pas mal de bombes, il essaie du coup de les garder, il rentre dans l'hitbox et il balance toutes les grenades qu'il peut, maintenant il va y aller. Allez Melwes, on l'encourage pour ce boss de fin. Ah, et le pattern qu'on n'aime pas. Ah, ça c'est le pattern qu'on veut vraiment éviter, c'est des pertes de temps sèches. Là il est seulement au heavy machine gun, il sait que voilà, parce qu'une fois qu'il aura épuisé son heavy machine gun, ça va être un peu compliqué. Et voilà. Alors voilà. Par contre on est au slug côté Tifa, on est au slug et on balance des grenades, on balance des bombes. Ah, Super Lingot est mort. Ouais. Ça va être quand même relativement serré pour le coup. Ouais, ça va être très très serré, ils sont tous sur le boss de fin. Après il y a eu voilà, une préparation pour le boss de fin qui est assez importante, justement on parlait de la gestion des ressources. Bro qui utilise toutes ses bombes et qui utilise justement et cette façon de... Et c'est Melwes qui termine en premier. Bah, bien joué à Melwes qui a rattrapé son retard. Et de bien joué à Tifa aussi qui vient de terminer. Et Super Lingot et Brotherman qui sont en train de finir le boss. Ça devrait plus tarder maintenant. Ouais. Allez, une mauvaise phase pour Super Lingot. Le pattern qu'on adore tous, celui-là, quand on le voit, on est content. Hein. Allez, on peut donner nos encouragements à Bro qui est en train de terminer ce boss là, difficile. Voilà, bien joué. Eh ben, ce fut très serré. J'ai l'impression que les scores là que l'on va voir vont être beaucoup plus serrés que ceux qu'on avait eu à la grande finale jour 2, j'allais dire, mais il n'y a eu qu'une journée cette saison. On a vu des scores beaucoup moins ramassés pour le coup. Je rappelle les scores avant Metal Slug, c'était Bro premier à 407, une belle avance qu'il avait par rapport à Melwes, 382, 10 points derrière Tifa et encore un petit peu derrière Super Lingot à 367. Dans quelques instants, on va voir justement la mise à jour des scores. Le verdict, le coup près va tomber. La mise à jour des scores dans quelques instants et juste après, on pourra prendre un petit mot. Donc, les scores LF. Alors, on a Brotherman qui a terminé avec un 13 minutes 33, qui est un score qui est plus représentatif de ce qu'il a fait en race par le passé, plutôt qu'en grande finale. C'est un score qui est très respectable. Melwes qui a terminé premier malgré un gros retard au début, avec beaucoup beaucoup de morts au monde 3, donc il a bien réussi à rattraper son retard. Devil Tifa qui est à 12 minutes 56, juste derrière. Et Super Lingot qui fait un 13 minutes 17, un petit peu en demi-teinte a priori, mais ça reste tout à fait respectable. C'est un jeu qui est très difficile quand même. Peut-on avoir le mot de deux runners qui voudraient nous partager un petit peu leurs émotions à trois jeux, donc juste avant la pause, Kouchas? Absolument, je suis avec Brotherman qui va... un peu de bruit quand même pour Brotherman qui fait un très bon début. Il est premier pour le moment, Brotherman. Comment ça, alors, je me doute que ça va bien, t'es premier du classement, mais voilà, tes impressions sur ce début de tournoi? Je suis assez surpris, je pensais pas jouer aussi bien malgré la pression. Je veux dire, j'ai vraiment fait un temps de ouf sur Cuphead, je pensais pas que j'étais capable de faire ça, je suis très très content. Story About My Uncle, c'était très bien aussi. Bon, Metal Slug, bon, c'était un peu moins bien. Mais c'était... je suis à fond, je suis très content d'être là. Bah, à noter quand même, parce qu'on a oublié de le dire, c'est un world record sur du roundabout. Oh, ça s'applaudit! Donc, oh, bravo!
C'est une sacrée performance, bravo. On a vu, t'as pris quand même pas mal d'avance, même si Melwest t'a un petit peu rattrapé sur Metaslug. Est-ce que cette avance et ces bonnes performances vont t'aider à aborder des jeux comme Shovel Knight où t'as dit que t'étais un peu moins confiant avec une certaine sérénité, ou au contraire tu vas avoir une pression pour conserver cet avantage? Je pense que oui, être devant ça va vachement m'aider sur Shovel Knight. Quand je vais mourir, parce que ça va forcément arriver sur Shovel Knight inévitablement, je me dirais que c'est pas trop grave, j'ai encore un peu de marge. Du coup, je serai moins stressé. Et ben, en tout cas, on te souhaite bonne chance pour la suite. Je vais aller me diriger très rapidement vers Super Lingod. Super Lingod qui est actuellement 3e ou 4e. Non, j'ai pas mis à jour. Oui, 4. 4e. Alors, Super Lingod, comment se passe ce début de tournoi? Bah, pas terrible, avec un Azamu déçu. Donc à cause de premier niveau, donc j'ai patiné dessus, bon bah c'est fait hein. Mais du coup j'abandonne pas et puis je vais essayer de tout donner pour la suite. Allez, on l'encourage. Effectivement, Stereo Batman Uncle un peu en retrait. Malgré tout, on a vu que tes deux autres jeux avaient des performances très bonnes, puisque en réalité t'as été deuxième sur les deux jeux. Est-ce que du coup Stereo Batman Uncle c'est juste un accident de parcours et au final t'es plutôt confiant globalement, ou est-ce que ça traduit d'une fébrilité qui se ressent même sur les autres jeux malgré le fait que t'es arrivé deuxième sur les autres jeux? Alors non, pas du tout, je m'y attendais. De toute façon, un jeu avec la souris, je m'attendais à faire une performance assez médiocre. Du coup, je m'attends aussi au final pour les autres jeux, donc demain, avec la souris, ne pas faire un temps extra. Mais je vais essayer de ne pas être trop en retard par rapport aux autres. Donc, de toute façon, je vais redire, hein, je vais tout donner. Hein. Allez, on l'encourage pour la suite. En tout cas, on a eu un gros début de tournoi avec un Brother Main qui gagne en confiance pour Shovel Knight. Un Super Lingod qui finalement a eu un Story Bet My Uncle comme prévu. Donc cette finale tient toutes ses promesses. Allez, en tout cas, nous vous invitons à prendre une petite pause de 10 minutes seulement, évidemment, hein, 10 minutes. Et on se retrouvera pour les deux derniers jeux de cette journée qui seront Trials 2 et Shovel Knight. A tout à l'heure.